Et du coup, nous voici de retour sur Dragon Ball Breakers, The Breakers, même avec Loki. Loki qui s'est mis en priorité humain survivant. Et moi qui me suis en priorité méchant. Mais je n'ai qu'une priorité 1, donc je ne vais jamais avoir ce rôle. Et on va lancer. Bien sûr que si. Oui. Au bout de 6 parties. On rappelle que hier, premier tirage x10, j'obtiens un perso niveau 5. La luck est présente. Voilà. Le jeu a pitié de toi. Exactement. Il m'a fait perdre toute la soirée, mais il a pitié de moi. Par contre, les deux dernières games de la VED, elles étaient très cool hier. J'ai fait une game en tant que méchant et une game en tant que héros. Les deux, j'ai survécu. As-tu remarqué, mon cher ami, la map que j'ai sélectionnée? Pas du tout. J'ai pas fait attention et je peux plus la voir maintenant. Eh ben, ça sera la surprise. D'accord. Moi, j'ai pris la pire map, apparemment. Parce que j'ai sélectionné surprise. Ok. Ah, t'as fait aléatoire ? Oui. Ok, d'accord. C'est le full aléatoire côté Loki. Évidemment, hein, le chaos, tout ça. Le chaos. Chaos. Ah, le truly chaos. Ce n'est pas moi qui suis enfermé, c'est vous qui l'êtes. Exactement. Enfermé dans cette phase. Joli pour l'effet, bravo. Bravo. Merci. Bel organe. Merci. Ouais. Et allez. Je suis survivant. Waouh. Ah, un autre qui vient d'arriver dans le jeu. Oui, qui a skip comme toi, parce que même quand il vient d'arriver dans le jeu, on lui propose au début de changer son pseudo. Donc soit le mec en a rien eu à foutre, soit il a skippé comme toi. Et par contre, attends, il a skippé, mais par contre, il a quand même sélectionné deux fois Goku, parce qu'il Exactement. Faut le sélectionner. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il a dû en ouvrir un, puisqu'il l'a eu deux fois. Non, il a juste mis deux fois le même. Tu peux pas mettre deux fois le même, je crois. Si, on t'avait montré. Et évidemment, un Majin Buu niveau 14. Oui. Après, c'est pas déconnant d'avoir plusieurs Goku, parce que tes Goku, ils sont d'un autre niveau. Mais c'est juste que, comme il disait, le désavantage, c'est que tu n'as pas plus de compétences, en fait. Ouais, il n'y a pas plus de compétences passives. C'est ça. Mais en soi, c'est pas non plus déconnant si tu veux un Goku niveau 3. Ça se trouve, il avait vraiment rien d'intéressant et du coup, il a pris le perso le plus fort, le plus adapté. Genre pour qu'il ait de l'attaque, par exemple. Au moins, il a le Goku avec le Kamehameha, tu vois. Ah, pourquoi pas. Quitte à ce que ce soit le début, au moins, il a quelque chose à faire, tu vois. Bon, en théorie, j'ai testé le son de la VOD hier, le son a l'air d'être bon. Oh, Dragon Radar niveau 3, déjà. Oh là là, et en plus, oh, il y a une Dragon Ball près de moi. J'ai la clé de puissance. Ouais. D'ailleurs, c'est vachement bien de faire. Tu fais start. Toi, je sais pas quel bouton c'est. Dragon Ball, j'ai la Dragon Ball à 6 étoiles. Ok, je suis en train de me diriger vers la zone E. D'ailleurs, il faut absolument que je me donne comme objectif d'invoquer Shenron en vrai. Mauvaise nouvelle, on a un joueur qui a rage quitté. Ou qui a quitté, simplement. Radar à clé niveau 1. Oh, la clé, je sais où elle est. Il y a une clé très proche de moi. Non, mais je veux dire, il y a une clé. Très proche de moi, c'est ça que je voulais dire. Je suis en train d'installer la clé E. D'accord. La clé E est installée. Ok. Mais et j'ai chopé une autre clé logiquement là. Attends. Clé zone A. Et en plus je suis en zone A, mais c'est parfait ça. Viens moi nuage magique. En vrai je me demande pourquoi ils font pas l'effort de mettre en VF. Il y a la VA, il y a la VJ. La VF est quand même assez populaire Dragon Ball. C'est dommage qu'il fasse pas l'effort en vrai. J'imagine tellement. Je suis tellement déçu. Un Fighter Z. Ah, par contre, ta manette, si tu as un moyen de faire quelque chose. Je suis au sol et je me fais absorber par ce Popovich. Je viens de sauver. Si tu peux faire un truc pour ta manette aussi, ce serait cool. Pour ma manette. Ah ? Oui, parce qu'elle est en mode vivant depuis tout à l'heure. Je me disais que tu l'avais forcément entendu, mais bon, à mon avis, avec le casque. Non, en effet, le casque, comme je t'ai dit. Alors. Voilà, je viens de sauver. Alors t'es où? Ah t'es dans une grotte? Sans grotte. Ah putain, je me suis fait trap. Ah, il est en train d'enchaîner tout le monde. Ok, merci Kaiz. Bah j'ai attiré ailleurs. Et il m'absorbe. Ah, il a chopé une Dragon Ball, l'enfoiré. Il va faire sortir Bou. Ah par contre, ce qui est bien, c'est que là, il m'a pas absorbé.
Alors, si quelqu'un peut venir me chercher, ce serait très cool. C'est bien parce que je me suis caché dans les feuilles, donc pensez, il me voit pas. En mode DBD. Je trouve pas la touche pour me cacher cependant avec le clavier. Aucune idée. Bah après, il faudra que tu regardes les contrôles. Contrôle. Voilà. Oh, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout en vrai. J'ai essayé C pour crouch, mais. Ah oui. Merde, il se rapproche. Dragon Radar. Oh là là, il se rapproche. On est tous au sol, gars. Si t'as moyen de nous sauver, on est tous au sol. Ouais, mais est-ce qu'il vous compte? Là, il m'absorbe pas pour l'instant. Pour l'instant, il m'absorbe pas. Mais il va nous voir. C'est pour ça, il nous voit. En fait, là, il est intéressé par la gaming pour l'instant. Moi, je me cache comme je peux. Il me reste 22 secondes à tenir. Fais gaffe, il est près de nous pour l'instant. Je crois qu'il m'a vu. Non, ça va. Ah, mort, il m'absorbe. C'est mort. Oh, je suis dégoûté. J'ai voulu te sauver, le mec, il a... Oh là là. Mais en fait, le mec, je le voyais vachement plus loin. Il me reste 10 secondes. Oh, c'est mort. Pour moi, c'est foutu. Ah, tant pis, j'abandonne l'autre. Iceberg est plus important. Bah, le streamer, désolé. Il lui reste 30 secondes, quoi, pour le sauver. Ouais, mais il y en a un qui a 2 secondes. 1, 0, 1. Ah non, ah, presque. Je voulais y aller aussi. Ah, je suis désolé pour lui. Merde. Excuse-moi. Il arrive. Bon bah je me casse. Suite... Ah non. Bon on est tous morts. Aïe. Bon c'est la fin. Oh shit. Bon attention c'est mort. Je suis de double dead. Non mais il a fait que... Oh là là, ça m'énerve. Il a fait que camper. C'est vraiment des mecs qui ont aucun honneur quand ils jouent. Ah, du coup, c'est marrant l'animation que ça soit maléfique. Le maléfique qu'il chope et qu'il le transforme en super bout. Oh, bah, c'est mort, hein, à mon avis. Là, on est complètement foutu. Là, les mecs, ils vont tenter directement l'évasion de la capsule, je pense. Bah, il en reste un en fait. C'est surtout ça. Ah non, il en reste non, deux. Non, il reste deux, c'est ce que je viens de te dire. Tous les deux niveau 2. Alors, il y en a un, il essaye de venir te sauver, mais à mon avis, c'est mort. Ah ouais? Ouais, je le vois, il est vraiment en train de venir vers toi. Ah bah, c'est trop tard. Trop tard, il essaie de poursuivre. Mais tu vois, il fait que camper autour, ça casse les couilles. Ah, il va se faire déboîter, c'est fini. À moins qu'il arrive à s'en faire avec le. Bah non. Mais il a pas utilisé le grappin, il a rien. Ouais, c'est bizarre. Ah, il a fait le Senzu, il est mort. Instant mort. Ouais, parce que quand t'es au sol et que tu fais le Senzu, s'il te refrappe, c'est mort. C'est mort, mort instant. Oui, c'est normal. Parce que tu te relèves toi-même, mais du coup. Ouais, mais t'étais que au sol, t'étais pas genre absorbé ou un truc. Donc c'est un peu con. T'étais pas dans ta première mort, on va dire, comme dans DBD, tu vois. Genre, tu peux trouver. Non, t'es au sol, t'es juste en train de ramper, en fait. Oui. Mais quand t'es au sol et qu'on te soigne. Il me semble que quand t'es au sol et qu'on te soigne, que t'étais juste en train de ramper, que t'es pas genre, t'as pas été kill directement, la mort est pas comptée, il me semble. Ah si. Si, t'as quand même le compteur 1 sur 2. Et après la seconde, bon bah dead. Il me semblait que c'était pas le cas, mais ok, d'accord. Non, c'est vraiment juste la première fois où t'es mis à terre. Et d'ailleurs, c'est uniquement quand tu peux ramper que tu peux manger ton Senzu. Oui, je sais, si t'es complètement seul. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que si le mec il est en train d'essayer de te réanimer, tu peux manger ton Senzu au moment où il te réanime. Même si t'étais plus qu'au sol, tu vois, genre t'as été absorbé et tout, le mec qui vient pour te sauver, tu peux utiliser le Senzu. Ouais, parce que je suis dégoûté, j'avais Dragon Radar niveau 3. Et tu le mets dans la bouche, quoi. C'est ça. Sauf que c'est toi qui l'as dans ta poche. Et c'est toi qui décide. Pic. Moi, par contre, j'ai quitté un peu trop vite, je suis dans le menu. Ah, t'as déclaré forfait ? Il semblerait. En vrai, je pense que je vais pas tarder aussi, parce que le super bout niveau 3, à moins que le mec arrive vraiment à se casser avec la capsule. Non, mais là, c'est pas très intéressant pour nous, malheureusement. Ouais, mais c'est ce que je disais, à un moment, j'étais kill vraiment au tout début. Les mecs ont vraiment fait exprès de pas venir me chercher en plus. Je déteste les mecs qui font ça, franchement. Mais le pire, c'est que le jeu t'encourage à le faire. Le souci, c'est que, d'un côté, ça, c'est vraiment l'aspect Dead by Daylight, c'est-à-dire... Tu peux aller sauver ton pote, mais si le raider en question, il campe, il reste juste à côté, bah du coup, c'est lui qui gagne. Oui, je me doute bien, mais ça reste...
Et après, techniquement, oui. le système de camp, c'est pas un truc de mal, c'est juste que c'est une méthode qui ne devrait pas fonctionner parce que ça ralentit énormément la progression du méchant. Non, dans DBD, ça ralentit pas tant que ça, en vrai, de camper. Enfin, si t'as une équipe qui joue teamplay, non, ça. Parce qu'évidemment, si le mec va forcément avoir au moins un connard qui va essayer de venir. Oui, quand il y a personne qui vient, évidemment, il a juste perdu son temps, le super bout ou machin. Mais il y a toujours un mec qui va essayer un petit peu, tu vois. Après, il spot juste la zone. Mais bon, dans DBD, en tout cas, quand tu as le droit, tout à fait. Bon, les gens, ils vont t'insulter, mais en fait, t'as le droit totalement de camper. Le problème vient du fait que par contre en campant, de un, tu fais pas tes autres objectifs, qui est important même en tant que tueur caché, tu dois faire tes autres objectifs, et surtout tu permets à l'équipe adverse, bon bah félicitations, t'en as tué un, mais en fait t'as assuré le kill de un, mais les trois autres là ils sont en train de tout faire pour enchaîner à fond les générateurs. Oui, j'entends bien. Donc c'est vraiment campé, et en plus de ça, tu perds des points. En plus de ça, tu perds des points de sang en campant. Enfin, tu ne gagnes pas de bonus sur le fait que tu as bien joué. Tu chase pas, oui. Voilà, il faut chase. Ah, j'ai bien compris le principe, t'inquiète pas. Et le pseudo du joueur, Boo plus Cell égale Belle. Oh. Ou alors c'est juste Belle la cloche. Ah par contre, je déteste ces immeubles là, les immeubles avec les vitres bleues et tout. C'est trop chiant, parce qu'il faut forcément aller à l'intérieur, monter tous les étages et redescendre. Tu peux pas péter les vitres avec ton pistolet, c'est trop chiant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, oui. Bon, on est sur Namek. Allez, Dragon Ball, une étoile en plus. Parce que je suis le numéro 1. À Civil ? Bon bah, radar à civil, soit. Oui, mais je t'avais dit, il y a trois radars. Un pour la clé, un pour Dragon Ball et un pour le civil. Moi, ce que je te disais hier, c'était qu'il y avait plusieurs niveaux de radar. T'as raison, c'est jusqu'à niveau 3 maximum. Et c'est en fait, tu les vois de plus ou moins loin en fait. Parce que tu peux activer ton radar pour qu'il augmente la portée en fait. Bah du coup, je vais aller sauver des civils. Moi, je suis en train de sauver un civil. J'ai eu une Dragon Ball. Radar Dragon, niveau 2. Trop bien. Donc là, j'ai le radar à Dragon Ball. Allez, il y a une Dragon Ball pas loin. Les gars, je veux la Dragon Ball. En vrai, va falloir qu'on se monte une petite team, ce serait sympa. Parce qu'en plus, comme ça, on pourra se donner des objectifs, des se coordonner un petit peu. Radar Dragon Ball niveau 3. Oh, merde. Ah, ça commence bien. Ouais, bon, il est loin de moi, ça va. Pas moi, en tout cas. Ok, c'est bon, il s'est barré. Bonjour. Ah, il m'a laissé Dragon Ball. Oh, quel crack. Attends, what the fuck? Moi, j'ai ouvert cette boîte rouge et il y avait rien pour moi. Mais il y avait rien pour moi. Ah bah tu t'es fait douiller. Ah ouais, alors c'est le chargement. Ouais, j'avoue. Ça se trouve le réseau. En vrai, par contre, je tiens à dire, on n'a pas eu de problème de réseau encore avec toi pour l'instant. Il est à côté de moi là, il me fait peur. J'ai le bazooka si tu veux. J'ai un permis pour ça. Attends, tu vas faire un bazooka? Oui, je sais, mais j'étais dans la panique parce qu'il était à 2 mètres de moi. Ouais, mais je te pardonne pas quand même. Rater une réponse comme ça. Ah c'est bon, il y avait le stress hein. Il était à 2 mètres de moi, il mettait un coup de caméra. Mais what? Mais mec, t'as ouvert un coffre de clé, t'as même pas récupéré la... Mec, t'as des problèmes de cours. T'as ouvert un coffre de clé, t'as même pas récupéré la clé. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis à côté de toi là, j'ai rien ouvert du coup. Ah ou alors c'est le boss. Mais il y a quelqu'un qui a ouvert ce coffre, il y avait la clé qui trônait dedans. D'ailleurs, il y a une boisson régénération. Une boisson? Oui, parce que c'est moi, j'ai dû la mettre. J'ai un bazooka, donc du coup, on va se calmer. Et en plus, j'ai deux Dragon Ball. Attends, il y a Spobovitz qui se fait éclater. Oui, parce que t'as déjà un mec qui est niveau 3. Le mec qui a déjà craqué les boissons. C'est quoi DP? Ça sert à quoi DP? Je sais pas. Dragon Point. Bah non, ça n'a pas l'air en tout cas. Mec, il y a deux Dragon Ball près d'ici. Laisse-les-moi s'il te plaît. Ah non, il y a Michael. Faut qu'il me les laisse. Les crevards. Attends, elles sont où? Elles sont là. Merde, elle est où? Je la vois, elle est à mon niveau, mais elle est là. J'espère que le mec me l'a laissé. Non, mais le mec me la laisse même pas. Faut que je trouve de quoi me transformer, comme ça j'ai de l'équipe. Oh, quel Krakitos! Le mec, c'est un Krakitos, il m'a laissé la Dragon Ball. Oh là là, tu vas faire un vœu? Alors, pas tout de suite, mais là, je suis en train d'aller chercher. Il y en a deux près de moi. Je vais les chercher. Il y a moi, nuage léger!
En vrai, le nuage magique, c'est vachement pratique pour ça. J'ai bien l'impression qu'il est en train de camp. Attends, il est où? Ah, mais il est dans la grotte, le mec! On s'en fout, au pire. Non? Bah, j'aimerais l'aider, mais je peux pas, en fait, parce qu'il est dans la grotte. Ah, d'accord, il campe la grotte. Attends, mais merde. Non, il se fait... non, il se fait pas camp. Ah, mais putain, je suis con, c'est... Il est dans le coffre. Je suis trop con. Mais oui, c'est ça. Je suis trop con, putain. Attends, est-ce qu'il y a un mec... Est-ce qu'il y a un pote parmi nous qui a les Dragon Ball? Non. Qu'une idée. Non, il y en a... Non, parce que tu le vois, en fait, à leur pseudo. Si tu regardes leur pseudo. Moi, je me dépêche. Super lance-roquette. Oh là. Oh, la par caméra. Par contre, j'adore le truc de vibration, là, vraiment. Ça, c'est ultra satisfaisant. Mec, okay, hey, je vais avoir toutes les Dragon Balls. Il va vers vous. Mec, il va vers toi. Non, ça. Pour l'instant, ça. Okay. Putain, mais mon pote, je le trouve pas. Il est en train de spammer, mais je sais pas du tout où il est. J'ai deux Dragon Balls. Si... Ah, putain, il me manque une... la dernière après. Les deux Dragon Balls, elles sont où, putain? Elles sont pas loin. Apparemment, elles sont pas loin. Là, c'est encore plus bas. Ouais, c'est à ce niveau-là. Faut que je trouve une grotte. Grotte à ce niveau. Oh, au secours. Non! Merde, j'ai pas voulu faire ça! Ah, oh, je me suis transformé bêtement. Putain, apparemment, il y a une Dragon Ball près de moi, mais je la vois pas. Ou alors, il y a de l'autre côté? Oui, c'est ça, il y a de l'autre côté, ok. Par contre, à mettre, il y a vraiment une touche qui est chiante. C'est celle-là. C'est la touche de transformation, tu la confonds avec autre chose. Chaque fois. Putain, ah, il est à l'étage. J'arrive pas à trouver la Dragon Ball. Mais wesh. Et où c'est putain de Dragon Ball? Mec, mais je me fais troll par le jeu, c'est pas possible. Attends, il y a forcément une grotte quelque part, un truc. Il y a peut-être de la flotte ou un truc du genre. Non, même pas. Ah, ça me saoule. Ah, attends, je sais. Ça doit être là-haut. Ça doit être là-haut. Oui, je dois descendre là-haut. Non, ah non, même pas. Je me fais des films. Comment on utilise la roquette? Tu fais objet et tu utilises la roquette simplement. Je suis désolé, je suis pas plus précis. C'est moi quand j'appuie sur la touche indiquée. En fait, faut que t'aies le mec près de toi. Faut que tu l'aies en tant que viseur. Faut que tu vois le viseur et ça auto-guide. Enfin, ça peut rater aussi la roquette. Moi, j'ai juste. En fait, faut qu'il soit pas trop loin en fait, le mec. Là! Ah, je suis à terre, je comprends rien. Les touches sont vraiment très mal indiquées. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donne-moi une Dragon Ball. Et lâche la Dragon Ball! Oh, vas-y, relou. Ah, j'ai pas le droit d'accéder aux options. J'ai lâché mon lance-roquette doré 8 fois en voulant l'utiliser. Parce qu'il faut pas faire... Oui, parce que t'as deux touches. Parce qu'il me dit appuyer sur majuscule pour l'utiliser, ok. Et appuyer sur F. Et F, ça le lâche. Et je fais, bah non. Mais pourquoi il a ramené le méchant avec nous? Tu penses pouvoir me sauver? T'es où? Vas-y, je vais essayer. 19 secondes, ça va être chaud, mais je peux peut-être le faire. Ah, apparemment, il y a tout le monde... Il y en avait un qui était à côté de moi, mais il m'a un point... Mais Michel, t'es à côté de moi, t'es à 2 mètres. Non, mais non. Mais mec, tu m'as pas dit qu'il était près de toi. Oh, mais je suis mort. Mais non, mais sérieux. Mais non, mais pas avec les 6 Dragon Ball. Mais c'est pas possible. Oh non, mais mec. Oh, il a récupéré 6 Dragon Ball. Ça fout le seum.
Oh, ça me gonfle. Oh non, j'aurais pu invoquer derrière Dragon Ball. Enfin... Attends... Ah, il a lâché la Dragon Ball. Si quelqu'un peut me sauver, je peux récupérer ici Dragon Ball. Il les a lâchés. Oui, en se transformant, en fait. Il s'est transformé, ça a lâché Dragon Ball. Ça a lâché les 6. Je crois pas. On va voir, mais... Enfin, je sais pas. Allez, allez. Merci. Oh, merci. Oh, le Senzu. Oui, j'ai 6. Oh, il a lâché les 6. What the fuck. Mais il est caca. Et bienvenue, Vegeta du 25. Bienvenue, bienvenue. Attends, il est où? Il est où? Ah, c'est Lobo qui l'a. Lobo, il a le truc. Il a la dernière. Oui, il a la dernière. Merde, oh, il faut que je une zone. Là, continue à droite. Tout de suite à ta droite. Ouais. Non, continue. Ah, oh, merde, il détruit la zone. T'inquiète. Tu t'auras pas le temps. Ah non, c'est pas la zone où t'es. Si. Mais t'es mort alors. Mais t'auras pas le temps. Si. Attends. Oui, non. Non, j'ai pas eu le temps. C'était trop mais drôle. T'as troll. Ouais, bon, ça va. Je suis au sol, je suis pas encore mort. Quelqu'un peut me sauver? Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Non. Ils sont en train de se barrer. Quelqu'un peut me sauver au secours? Non, ils se sont barrés. Mais toi, non, t'étais mort. Mais non, moi je suis mort parce qu'on m'a abandonné. Michael, viens m'aider, j'ai le Dragon Ball. Ça va? Ça va très bien et toi? Non, mais... Attends, il y a Michel et Michael dans notre groupe? Non, il y a Michel, pardon, il y a juste Michel. Mais il va se barrer. Oh l'enfoiré! Oh non, mais non, j'ai tellement cru. Gars, non, j'ai troll, mais... Non, j'avais la barre à fond, je demande le replay, j'avais la barre à fond. C'est-à-dire que c'est pas genre à fond, mais une non, seconde après avis... ça a pété. À mon avis, même si tu l'avais à fond, tu mourrais parce que tu te transformes, certes, en fait, mais t'es toujours dans la zone de destruction. Mais en vrai, je pense que ce qui s'est passé, je te dis ce que j'en pense. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tu peux pas juste te transformer pendant qu'il fait l'ulti. Juste, tu peux pas, en fait, c'est impossible. Bah oui. Même si t'as la barre à fond. Ouais, mais j'y ai cru. Ah, j'aurais dû me barrer vitesse grand V. En plus, ça, tu pouvais, certes, bon, bah, tu continuais d'avancer, t'en cherchais dans une autre zone. Tu perdais un peu de temps, mais t'avais largement le temps pendant son animation. Et à la fin de son animation, il avait pas le temps de revenir vers toi pour t'empêcher de te transformer. D'accord. Non, mais je suis d'accord. C'est dommage. C'est très c'était dommage. Pour la beauté. Imagine, je me serais transformé, j'aurais réussi à me sortir au bon moment. Non, à mon avis, c'était pas possible. Non, mais c'est juste pas possible de le lancer, je pense. Mais par contre, ce qui est bâtard, c'est qu'ils auraient dû mettre une action qui dit impossible, la zone va être détruite. Parce qu'ils m'ont laissé charger la barre, en fait. Bah, ils t'ont laissé parce que, imaginons à l'inverse, tu commences à te transformer, enfin à vouloir faire le vœu, et là ils décident de faire exploser la zone. Vous jouez sur Xbox? Non, on joue sur PC. En tout cas, on joue tous les deux sur PC. Bah, il y a le cross-platform pourtant. Oui, sûrement. Mais non, parce qu'il dit ça parce qu'il y a les touches Xbox chez moi. Aha. Parce que je joue avec une maître d'Xbox. C'est vrai. Ah, ok. Et encore, je dis, je joue avec une maître d'Xbox, je pourrais jouer avec une maître de PS4 ou PS5 en vrai. En gros, vous êtes avec vous avez affaire à un streamer joueur manette. C'est ça, tout le temps. Je joue jamais au clavier moi, sauf si j'ai vraiment pas le choix. Non, et c'est moi, pas cross-platform midi. Ah ok. Et moi par contre, à l'inverse, je joue apparemment à des aberrations. Enfin, je suis une aberration parce que je joue à au jeu de baston et au Dark Souls au clavier. Mais tu es une aberration. De toute façon, de base, tu es un monstre. Ouais, je suis prêt. Oh, il y a Belle avec nous. C'était le méchant. Ah. Est-ce qu'on peut envoyer... Il y a un texte... Non, il n'y a pas de canal. Il n'y a pas de canal écrit. Et j'ai presque envie de dire c'est dommage, mais aussi c'est tant mieux. Parce qu'un canal écrit, je pense que les gens s'insulteraient dessus. Ouais, clairement. Mais c'est un peu dommage qu'on ait... sur plein de jeux, il y a cette culture du écrit et tout. Et maintenant, en fait, dans les jeux modernes, c'est un truc qui a disparu, le vocal et le textuel. Parce qu'en fait, les gens font n'importe quoi avec. Même pour les streamers, c'est contraignant parce que tu peux avoir des insultes et des trucs vachement graves qui se pop. Et il peut y avoir des choses vraiment très graves. Ouais, mais au final, ce qui est chiant, c'est que c'est de la faute des gens qui font ça, tu vois. Oui, mais c'est le. Je vais pas dire le plaisir, mais c'est les gens qui profitent de l'anonymat. Ouais, mais après, il y a le côté aussi où t'as des jeux qui comprennent les insultes et qui te les transforment. Avec des fameuses phrases, on connaît les baguettes magiques de Habbo, les trucs comme ça. Hein. Non, Blizzard, il est fort pour ça. Ah ouais, moi je me souviens de Habbo qui m'a marqué là-dessus aussi. Blizzard, dans leur jeu Overwatch, il me semble
je sais plus trop qu'est-ce qu'il est. Oh, mais, j'ai un pote qui m'a expliqué, je sais plus qu'est-ce qu'il c'est quoi la commande, mais je crois que si tu écris S ou GGS ou un truc comme ça, ouais, ça remplace. Ouais, easy quoi. Ça remplace ça par. Je suis en train de consulter des psychologues car ma vie est difficile. Ah oh ouais, sale. Il y avait des mecs qui avaient 2-3 opinions sur les joueurs quoi. Par contre, ce qui est vachement bien avec le nuage magique, même s'il est pas discret et tout. Bon, déjà, c'est que c'est un véhicule assez rapide et en plus, tu peux voler en hauteur, ça c'est vachement bien. Mais oh, surtout. Sel, il évolue si vite. Ouais, ouais, mais c'est le but, hein, comme il avait dit Florian, c'est le but du sel. Mais ouais, comme je disais, il y a un truc qui est vraiment bien avec le nuage magique, c'est que même s'il est pas très pratique parce que tu dois forcément arrêter d'utiliser pour récupérer un objet, il pète les objets destructibles. Alors, si tu passes dessus, ils sont pétés. Mais malheureusement, tu peux juste pas ramasser quoi. Oh, je suis à côté, juste à côté de l'explosion. Ah ouais, moi aussi. Oh, je suis dans la zone B, je sais pas où t'es, mais... Un radar à individu. En effet. Je suis dans la zone D. Ah ouais, t'es complètement l'opposé de moi, en fait. Mais je crois que les zones où je suis, il y a déjà tout qui a été loot. Putain, fais chier. Bon, attends. Maintenant, je commence à mieux comprendre comment tu gères les trucs de recherche. Ah, quoi, oh que oui, non, d'accord. La zone n'a pas été lootée, c'est juste que le, le wall jump, il est complètement pété. Il y a plein de caisses où je suis. C'est, il est mal fait, mais dans le sens, tu peux vraiment abuser pour monter super vite. Ouais, mais toi, tu mets le truc de C17, parce que c'est grâce à C17 que tu peux le faire. Sans C17, tu peux pas rebondir sur le mur, en fait. Oui, oui, je sais. J'ai le dragon radar et le dragon clé. Le fait de pouvoir grimper aussi vite... J'ai trois dragon ball près de moi. Allez, on va éviter de troll cette fois-ci. Oui, non, bon, j'y ai cru. Franchement, non, ça non, a pas été nous beau. Deux, moi aussi. Hein. Donc, il faut vraiment que je comprenne mieux ces touches en fait. Ouais, voilà, moi aussi. Faudrait que je les rimbind depuis, peut-être. Si, hein. D'ailleurs, le bon combo pour t'enfuir, on m'a dit, c'est vers trampoline et Kaioken après. Parce que le Kaioken, il peut te le stop en fait. Et assez facilement, ouais. Ah, il m'a vu, je crois. Je crois qu'il m'a vu. Il m'a complètement vu le sel. Non, ça va. Non, il est contre un autre mec, ça va. Alors, par contre, comme il n'y a pas de mur invisible, les escaliers, tu peux tellement te péter la gueule très vite en descendant. Ah, il y a une Dragon Ball. Là-bas, il y a une Dragon Ball et une clé, je crois. Comment je fais? Ok. Non, les bâtards! Bon, tant pis. Ok, c'est okay, bon. J'ai trouvé la touche pour utiliser les objets, mais il va falloir que je change. Je paie une clé. Fais-moi penser à rimbind mes touches juste après cette partie, s'il te plaît. D'accord. Merci pas de beaucoup. Soucis. Ah, Dragon Parce Radar niveau 1. C'est le clic molette, mais, ma souris, elle a une molette. J'installe la clé de puissance. C'est une molette Logitech qui est Faites super, gaffe. Qui est en métal. C'est la troisième forme. Il va péter à zone D à tous les coups. Hein. Ouais, il va falloir que je dégage de là. Moi j'ai ça pour toi. Hein. Ouais, je reste proche des Dragon autres zones. Dragon Ball pour... J'en ai plusieurs. J'en ai vu une tout à l'heure, je crois. Je suis sûr d'en avoir vu une tout à l'heure. Elle est où l'autre, putain? Kaitan, okay, Kaitan. J'ai ma transformation niveau 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des Dragon Ball? Tu le vois toi autour de toi? Malheureusement non. Ah, j'entends un mec. Non, il est. Il y avait un mec qui était pas loin, mais je sais pas où il est. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux que j'aille vers la clé. Ah, il y en a un, il est mort, désolé, j'ai pas vu. Oh, au secours. Il y en a plein qui sont à terre. Ah, mais j'aimerais bien en sauver un. Surtout que l'ennemi, il est loin. Je vais essayer d'en sauver un perso. Là j'en vois un 212 de moi, là Lomo. Je vais essayer d'aller sauver Lomo. Ah, c'est chaud, j'arrive pas à le sauver. Ah toi t'essaies d'aller le sauver, c'est bien. Je suis en train de wall jump. J'ai réussi. GG. Y a Dragon Ball. J'ai pu wall jump comme. Comment s'appelle déjà ce jeu? Shootmania Storm. Je sais pas ce que c'est. C'est un FPS qui est très très nerveux. Ah, mais très il a rapide, lâché la Dragon Ball, d'accord.
J'en ai 5. J'ai beaucoup aimé, mais bon. J'en ai 5 et Chichoui en a une autre. Il nous en reste une à faire. Ah putain, il l'a lâché. Hop, 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 hop. Le wall jump. Et c'est trop bien comme technique. Je vais aller activer la zone D. Ah, il campe le bâtard. À côté de moi, Ice, il y a une, il y a un point de. Ok, il a pris mon aggro ou il a pris non, le. Il a pris rien. Ok, je vais aller l'aider alors. Très mauvaise idée ce qui se passe. Non, je l'amène vers toi sans exprès. Ah, il me cherche, je suis en train de me chercher. Oh, c'est raté. Je prends son aggro. Non, prends pas son aggro, casse-toi. D'accord, bon, base. Casse-toi, Loki. Oui, pas trampoline et le grappin si tu peux. Il m'a arrêté. Merde. Ah, attends. Il y a une Dragon Ball pas loin, mais je vois pas qui c'est. Wall jump. Ah, il m'a arrêté. Ah, je suis désolé. J'ai tenté de te donner du temps pour que les autres puissent sauver le dernier. Ah, c'est ma faute. Il y a Shisui qui s'est enfermé dans l'eau. Il y a une Dragon Ball là-bas, je la vois. C'est le parfait. Aïe. Attends, il va peut-être se barrer, je vais peut-être pouvoir venir. Ouais, il s'est barré là. Non, il est en haut, il est encore en haut. Ah, il est d'accord. C'est bon, je peux venir. Il pète la machine là. Là, il est en train de se péter la machine. Je fais ce que je peux pour t'aider. Mais l'autre, il est en train de mourir, je pense. Oh, ah, le mot. Je l'ai sauvé. C'est celui que j'ai sauvé à une seconde près. Attends, j'ai un objet pour toi. Viens là. C'est quoi le. Tiens, c'est le truc de réparation de bouclier. Hop. J'ai 6 Dragon Ball sur les 7. Elle est où la 7ème? Bah, peut-être qu'il a sur lui. Je sais pas. Non, parce que je la verrai. Je la verrai pointer vers lui. Je vais utiliser le nuage magique. De toute façon, je crois que le vaisseau est mort. Va être trait de rayon vert aussi, ça peut être utile. Ok, j'y vais. Il a. Oh, le Kamehameha! Oui, j'ai vu. D'ailleurs, je suis sorti de la zone très vite. C'est comment Dragon Ball by Daylight? C'est vachement bien en vrai. Ah, il veut faire le fight niveau 3. Je le vois, il est en train de se préparer au fight. Genki! J'arrive! Transformation! Viens m'aider! Je vais mourir! Kamehameha! Kaioken! Ok, d'accord. Je viens t'aider! Ah, je peux plus me battre, j'ai plus rien. Genki na mate! Kagatte koi! J'ai envoyé des roquettes! Voilà! Oh, il va me péter la gueule. Je suis en train de me remettre mon bouclier. Moi je me débat, je vais vers un truc vert si je trouve. Ah, il a gagné. Ah, pourquoi? Parce que bah il a tout pété. Ou alors parce que le timer il est fini. J'ai pas vu, il y avait un timer. Oui, il y a un timer en haut à gauche. Mais en tout cas, Dragon Ball by Daylight, c'est vachement sympa. Moi j'appelle ça Dead by Dragon Ball plutôt, mais c'est sympa. Ah, dommage, je me suis tellement pris dedans en vrai. Oh, on joue très très mal les gens, hein, clairement. Sacrifice auto contre méchant, installateur de clés. Ah, c'est dommage. Quand tu sais qu'il faut 15 000 zénith pour faire une ouverture de booster, là j'ai obtenu 3100. Ça pique. Ça pique. Mais après on a fait une défaite, peut-être qu'en victoire, peut-être qu'on obtient plus. Mais là je suis loin de pouvoir ouvrir les 10 boosters là.
Dommage que tu peux pas cumuler les tickets et pour faire les 10, pouvoir mettre le reste en Z-Point. Après, j'avoue que dans une optique auquel t'as les 8 joueurs qui débloquent leur transformation 3, ils rushent tous les 4, tous les 8 le raider. Mais comme disait Florence, c'est le but en fait. À la base, c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Freezer, il a une attaque qui permet de faire une vague d'énergie autour de lui, genre un champ de force. En tout cas, c'est très cool, et si tu veux nous rejoindre, Lighten, c'est quand tu veux. En plus, le jeu, il est vraiment pas très cher. De base, lui-même, il est pas très cher, et bon, sur certains sites, tu le trouveras encore moins cher. Ça, par contre, Ah, ça m'énerve toujours. Le nom audio, une background, ça m'énerve. Prenez-le cependant en édition normale, l'édition spéciale ne vaut pas le coup. Franchement, je l'ai dit même sur Steam. C'est rare que je le fasse. J'ai fait une évaluation Steam parce que je trouve que les notes sont un peu méchantes sur le jeu. Sur Steam pour remonter un petit peu. J'ai assez joué pour aujourd'hui et me sortir 6 compliments pour toi m'a épuisé. Oh là là. Alors que tu m'en sors déjà en MP. Le mec, il fait genre, ouais, mais Ice, c'est ma némésis, il est méchant, nanana. Ice, il est trop le méchant de Pulp Fiction. Franchement, tu me fais passer pour le méchant. Mais en vrai, on sait, nous deux, en MP, ce qu'est la vérité. Moi, en MP, il me fait le crack, le boss, le craquito, tu vois. Il sait qui est le boss, le vrai protagoniste de Pulp Fiction, tu vois. Moi, je suis comme Vegeta. Au début, je suis l'antagoniste, mais en fait, à la fin, je deviens le perso préféré de tout le monde. Que tout le monde aime les méchants. Officiellement, t'es la némésis d'Enix. C'est pas vrai, on a fait la paix depuis longtemps. Tu parles Vegeta, il est en mode tout le monde est pourri, il faut que tout le monde meure. Ouais, mais en même temps, derrière, j'ai une petite famille, j'ai une petite vie tranquille, il faut bien. Le monsieur bipolaire. Ouais, mais il y a pire que. Oh, en termes de bipolarité, Je déconne. Virus, il se pose vraiment là. C'est le mec qui est prêt. Ah, tu me donnes pas la part de flanc, je vais détruire le monde. Non, encore pour Virus, c'est même pas de la bipolarité, c'est juste... Ah, c'est un enfant, quoi. Et voilà, c'est un gamin. Oui, voilà, comme il dit, il est juste immature. Oui, mais bon, il a la grande puissance de destruction et c'est tout ce qui l'amuse. Radar à clé niveau 1. C'est juste, tu lui rapportes du flanc et c'est ton... Tu lui rapportes du flan, c'est ton meilleur ami. Tu lui dis quoi que ce soit qui pourrait à peine le blesser. Il fait, tu veux que je te détruise? C'est ça. Akai. Akai. Ah non, il te propose avant. Ah, il m'a fait une Dragon Ball, le vieux. Il m'a fait une Dragon Ball, le vieux monsieur. Non, putain, j'en ai marre de faire ça, putain. Et j'ai pété ma barre de transfo. Ah, fait chier. Ouais, c'est les touches, des fois, tu t'appuies sans faire exprès sur une autre touche. En fait, j'essaie d'appuyer, voilà, ça, sur une touche précise. Ah, par contre, ouais, c'est bien ça, de pouvoir utiliser véhicule et tout. Putain, par contre, le véhicule va plus vite que le nuage magique, je trouve. Il a peur de bien plus immature que lui. Ouais. Ah oui, tu parles de Zeno. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Zeno, ouais. Non, il est bien immature. C'est un gamin. Un gamin qui peut réduire la création de l'univers. Ah, Dragon Radar niveau 3. C'est pas beau ça. Attends, non, c'est un radar à clé même. Attends. C'est un radar à clé. Ah non, j'ai le Dragon Radar niveau 3. Mais je sais pas si quand tu mets Dragon Radar niveau 3, s'il te fait les tout en niveau 3. Parce que bizarrement, là en fait. Non, il y a que le Dragon Radar qui peut s'étendre. Non, t'as pas compris. Ce que je veux dire, c'est est-ce que t'as le Draga à Dragon Ball, le radar à clé. Est-ce que ça fait. Ouais. Est-ce qu'en gros. Bah j'ai pas vu de Dragon Radar. J'ai un détecteur. Oh trop bien. J'ai un scooter. Oh ça me permet de voir les villageois. Mais c'est génial. Oh je garde ça toute ma vie. Toute ma vie je garde ça. Ça me permet de choper les villageois. Oh j'ai pu sauver un gamin. D'ailleurs dans le jeu tout le monde s'en fout, on peut tuer des gamins. Ok, j'ai ma transformation niveau 2. Ouais, mais moi j'ai perdu ma barre de TP de transfo. Mais il va complètement zapper hein, le Freezer seconde forme. What the fuck? Attends, c'est quelle zone qu'il veut péter? Je sais pas, mais c'est la zone D, il veut péter la zone D.
D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe s'ils pètent une zone où il y a des Dragon Ball? Elles sont téléportées au port? Ouais, elles sont téléportées entre part. Kaitan! Ah, il semblerait qu'il m'ait repéré. Ça devait être tout en haut. Tiens, bouffe un Mazenko! Allez, au moins ça me... Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai invoqué le pote devant moi, mais j'ai pas eu le temps de... Mais c'est trop bien, et le scooter c'est vachement sympa. Attends, je peux tirer une roquette sur ce connard! Allez, je vais tirer une roquette dessus à ce connard. Il a perdu tellement peu. Ouais, mais au moins ça a stun quelques secondes, une demi-seconde. Il m'a même pas vu. Il semblerait qu'il a envie de rester. Il y a un gars. De rester. Continue de faire de bosser Ice. Ça sert à rien, il reste à côté de moi. Oui, je lui ai compris. Ah, trop tard. Aïe. T'inquiète, je me casse. Je me casse en haut avec Kaioken. Hop, j'ai la transfo parce qu'il est plus sur moi. Putain, mais ils a tous tués quoi, c'est abusé. Bah ouais, il y a tout le monde qui a essayé de me sauver et du coup, tout le monde s'est fait enchaîner. C'est gentil de votre part, mais pensez à DBD les gens. Si vous voyez le raider à côté, bah tant pis, faute à moi, faute à pas de chance, je meurs et vous mais gagnez. C'est ce qu'on dit, hein, faute avouer à moitié pardonner. Hein. Attends, t'es là. Ouais, mais tu pourras pas me sauver. Trop tard. Ah non. Et peut-être que l'autre. Oh, il a trouvé le doyen, le mec. Ah non, c'est pas le doyen. Ah merde. Waouh. Il va me tuer. Oh, il m'a tué instant, j'ai même pas eu le temps. Ah, il y avait une Dragon Ball là-bas, fais chier. Il y a une Dragon Ball qui vient de sortir de tes. De mon cul, oui, je viens de voir. Oh, il l'a volé. Putain, quel bâtard. Il les a toutes prises. Non, il y en a une là-bas, je la vois. Il y en a deux sur Shade. Non, mais il y en a une là-bas aussi au fond. Hein. Bon, je pense que c'est mort, hein. Le mec va se barrer sans nous. Les gars, il est pas là! Venez m'aider! Ouais, là, il a arrêté de camper, mais bon, ça sert plus à rien. Ouais, mais au moins que je m'en fie avec eux, s'il te plaît. J'ai envie de survivre un peu vers la fin. Iceberg Chili Dragon Ball, exactement. Hashtag Iceberg Chili Dragon Ball. Mais tu vois, en haut à gauche, il y a un timer, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il est où le timer? Ah oui, en effet, d'accord. Mais je pense pas que c'était ça, je pense pas que c'était ça, ouais. Bah, il y avait moyen que ça soit zéro. Ah, c'est mort. Ah, l'enfoiré, il m'a mis Doria près de moi. Ah, il a... Sérieux? Aïe, aïe. Non, Zabon. En plus, je suis con, il a mis Zabon devant moi. Ah, je suis dégoûté de la life. En plus, ils sont cachés comme des rats, là. Bon, lui, il va se casser avec. Est-ce qu'il va aller sauver son pote? Non, c'est mort. Son pote, il va aller... Il va bien aller se faire foutre. Il va complètement se barrer. Le pauvre il est caché dans une grotte, mais vraiment genre. En plus l'autre il le harcèle. Ah il va le voir, c'est mort. What? Ah il a de la chance, s'il avait lancé un Zabon près de lui. Ah il va le détecter là. Non il l'a pas détecté. Ah c'est bizarre. Ah c'est bizarre. Et vas-y casse-toi, il y a la lumière bleue au loin là, vas-y barre-toi. Allez, vas-y. Mais putain, pourquoi il fait pas? J'ai vu le rayon, il était vert. Voilà. Ah, ça, je déteste quand ça fait ça. Même pas échouer Dragon Ball post-il. Il y a les Pokéball. Il y a des Dragon Ball à sa gauche, mais oui, il s'en fout. Ah, bah, de toute façon, maintenant, c'est foutu. Hein. Même s'il était niveau 4, il pourrait rien faire là, avec le Freezer. Il peut pas être niveau 4, il y a Freezer à côté. Il peut récupérer Albata. Ça sert à quoi de faire ça? C'est ce qui s'appelle le dernier espoir. Mais non, qui s'enfuit, ça sert à rien. Voilà, il se fait défoncer. What? <Okay. rire> Il est en train de régène. Ouais, alors faut régène, mon ami. Attends, il l'a bait. Il a oublié. Il l'a bait? Non, il a pas bait. Non, il le voit plus. Il l'a bait? Non. Il le voit plus. Eh, s'il s'enfuit, Krakitos. Hein. Mais non, il l'a vraiment bait. Non mais le Freezer, il est aveugle. Moi aussi, j'étais aveugle hein, hier. Vraiment, je gagnais pas tant que Freezer. Il a vraiment, envoyé Doria de là. Il a envoyé Doria au bout. Mais vas-y, c'est bon, casse-toi, là. Il est loin. Ah, non, là, what the fuck. Mais wesh, mais là, il est loin, là. C'est bon. Non, parce que Freezer, il garde... En fait, il spot. Il reste que deux téléporteurs. En fait, il les spot.
C'est ça, c'est, il se met en l'air pour les regarder à distance. Ouais, mais je crois qu'en fait la barre elle continue de se charger, donc là il pourrait y aller techniquement. Genre ça, elle va pas réduire. Ouais, mais il en, en fait il est en là Shade, il est en train d'attendre. Mais pourquoi déjà il se régène pas, voilà. Oui, mais il attendait tous ses CD. Il attendait d'avoir le Kaioken et tout. Ah peut-être ouais. Ou la barre de T aussi. Mais là il est loin là, le freezer, il peut y aller. Il veut être certain. S'il tente pas, il va jamais y arriver. Hein. En fait, t'es certain qu'il joue le Zabon et le Dodoria. C'est ça. Ouais, mais il se recharge très vite en vrai. Là, il a jeté les deux. Et en fait, c'est une méthode qui se fait par rapport à la trappe de DBD. C'est-à-dire, t'attends que le tueur vienne vers la trappe. Mais il la et referme. Quand il va commencer. Non. Parce que elle. Oui. Mais avant, tu pouvais. Justement, tu pouvais faire en sorte. Avant que tueur pouvait fermer la trappe. Ah oui, c'est quand pas. Les. Oui, je me souviens, il y a même eu un mème là-dessus où les deux ils sont devant la trappe. Et si lui il essaye de la prendre, lui il peut l'attraper instant. Et si c'est lui ça. Il essaie de la fermer, il peut sauter instant dedans en fait. C'est ça, et du coup, l'idée c'est. Tu attends que le tueur passe devant la trappe. Et au gagné. Moment où. Ouais, là, Freezer a gagné dans tous les cas. Oui, mais bon, moi il a survécu. Freezer 3ème forme. Genre il s'est sauvé avec quelqu'un, non, il s'est sauvé tout seul le pauvre. Je sais, mais ouais, moi j'aurais clairement pas pu survivre en plus. Moi j'aurais été trop rush. Mais vu le temps qu'il a mis à la charger, ça veut bien dire que j'avais raison. La barre ne redescend pas, j'ai l'impression, quand tu charges le vaisseau. Là c'est complètement con pour eux, enfin... Faudrait que Freezer il puisse péter les navettes mais sans pouvoir voir la lueur bleue, en fait. Après ça a peut-être un peu craqué, hein. Mais... Ah, bientôt je pourrais avoir un ticket. Saison 1. Je pense pas que ça soit une bonne idée parce que le spot des navettes est obligatoire. Mm. Du coup, quelqu'un qui joue le pète et genre ça, en fait, ça met genre X temps à recharger, tu vois. Non, c'est facile de gagner en survivant. Franchement, c'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais c'est pas impossible de gagner en survivant. J'ai obtenu un ticket, merci à toi, Loki. Merci à toi. Ah bon? Bah, ah parce oui, que en effet. Plus on joue ensemble, plus on gagne de tickets. Trop bien. C'est pour ça qu'il faut qu'on ajoute d'autres amis. Mais t'inquiète pas, en tant que tueur, c'est hyper dur aussi. Hein. Franchement, c'est super, super dur. Surtout si tu joues des tueurs comme celle. Parce que les mecs, s'ils sont bien organisés, ils te défoncent la gueule. Hein. Vraiment. Hein. Les mecs qui viennent à 3 en Super Saiyan, c'est fini, t'es pété. Hein. Dans ce genre de jeu, il faut savoir que les survivants, c'est juste une question d'expérience. C'est mais aussi une question de teamplay en vrai. En vrai, avec tous tes potes, il y a moyen de s'organiser, tu vois. Ouais, mais pour vraiment, par expérience des... Après, c'est vrai que là, c'est 8 joueurs, c'est pas 4. Contrairement à DBD ou à Evolve. Mais dans DBD et Evolve, les survivants, même un gros pro, 4 pros survivants et un pro tueur, c'est les pros survivants qui ont de gros gros bonus, qui ont bien plus de chances de gagner. Vous allez voir, c'est pas aussi facile que ça. Ah non, sérieux? Oui. En même temps, comme à tout moment, moi, il faut savoir que j'ai une priorité 6, j'ai juste à activer, c'est bon. T'as eu une priorité 4? Bon, bah tant mieux, hein. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tant de joueurs qui voulaient. Après, ça augmente juste la proba, peut-être qu'il y avait des mecs qui avaient des priorités 6, mais qui sont tombés sur moi par hasard. Non, apparemment, c'est vraiment priorité... C'est aléatoire seulement si c'est exactement la même priorité. Les priorités 6, c'est priorité 6. C'est en fait, il y a 4 formes, du coup, il y a plein de persos qui pourraient pas avoir de qui pourrait pas être boss en fait. Bah sinon sous d'autres méthodes. Ouais. Je sais pas. Parce que Baby par exemple, je vois pas en quoi il pourrait être, il pourrait. Bah cellulaire Baby. Goten. Non, cellulaire de Dragon Baby. Ball GT. Oui mais attention. En fait on parlait des méchants qui pourraient ajouter en tant que méchant dans. Attends. Si il y a les 4. Forme cellulaire, forme baby, forme Vegeta et forme gorille. Non mais cellulaire ça aurait aucun sens. Tu joues comment à cellulaire? Parce que déjà la larve de sel c'est un peu compliqué déjà. Donc cellulaire bah, de baby. La même façon. Bah ouais. Tu commences en fait dans le corps d'un joueur. Ouais bof. Non bof. L'idée. Je pète tout ce qui est autour de moi. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça de jouer en tant que méchant.
Ah bah tiens, coucou. Où sont les Dragon Ball? De quoi vous parlez? Ah, d'ailleurs, ce jeu, comme on le disait tout à l'heure, scandaleux, on devrait le cancel ce jeu. On peut tuer des enfants d'un mec, sans aucune pitié, vraiment. Après, tu peux tuer des vieux Namek aussi, sans rien à foutre. J'ai détruit des maisons? What? Bon bah, c'est bon, le tueur n'a pas besoin... Freezer, il... Je peux faire son boulot. J'ai détruit des bâtiments. Bon, merde, passage, je suis en train de... Salut toi! Coucou toi! Mais alors qu'est-ce qui se passe, Trunks? Ah mais il y en a deux, enfoiré. Ah oh, mais il m'a aidé. Si je revois le Trunks, là c'est fini pour lui. Ah je crois qu'il s'est enfui avec... Ah l'enfoiré là, il s'enfuit. T'es à côté de moi, c'est ça? Y'a des chances. Oui, y'a des chances. Mais c'était ma Dragon Ball! Dragon Ball wo odashinasai. Merci pour la Dragon Ball! Au revoir! C'était ma Dragon Ball! Voleur! Bah alors, t'es où Loki? Viens, montre-toi! Ça va bien se passer, t'inquiète! Et question, comment on récupère les Dragon Ball au Raider? Aucune idée, faudrait peut-être demander à notre cher ami. Peut-être que si tu me frappes assez fort au bout d'un moment. Non, je sais, quand ou quand tu me prends une roquette, peut-être. Quand tu évolues, t'avais l'air de les lâcher. Attends, on verra quand je vais réévoluer. De toute façon, je suis évolutif. Hein. Où es-tu, Loki? Je ne perçois aucune force. En même temps, tu es un humain pathétique. Si tu avais du courage, tu viendrais m'affronter. Bande d'humains pathétiques. Ah, tu pourrais faire un peu plus du... Après, j'arrive pas très bien. Moi, je préférais faire la voix en VF. La voix en VO un peu difficile, je t'avoue. Ça, t'es tôt. Ouais. Ah, c'est triste. Venez les gars, je vous veux pas de mal. Ça va bien se passer. Pour l'instant, vous vous en sortez bien, hein. Vous vous cachez bien les rats là. C'est surtout on te voit, t'es pas discret. Faudrait un peu sortir de ta capsule. Bah j'aimerais bien, mais bon c'est un peu compliqué là. Il m'a trop fait peur, Boruto. T'inquiète pas, ça va être moi qui va te faire peur bientôt. Alors, est-ce que je te spoil ça? Non, me spoil rien. Tu veux bien lâcher tes Dragon Ball? S'il te plaît. Oh, bah alors. Mais oh, c'est quoi ça? Mais oh, vous allez vous calmer, vous. Ah d'accord, tu subis rien en fait pendant cette animation. Bah alors? On est mort? Chine. Allez, c'est terminé. Ah, j'aurais dû péter là, dommage. J'aurais pété là. Oh là, j'ai reconnu la voix de Dabon. De Doria. Ouais, mais j'avais le D de Doria. J'aurais pu te louper. Et le Abon de...
J'aurais pu te louper, putain. Mais tu m'as loupé. Ah non, je t'ai... Ah ouais ? Donc ça veut dire que t'es pas loin, mon salaud. La distance est relative. Ouais. Y'en a, il a fait un bon gros Kaioken pour se barrer. C'est pas moi. Non, je parlais... Bah, je pensais que c'était toi, justement. Il reste 6 survivants. Ah là là, tristesse. Moi, il était en CD. Moi, ça va. En vrai, je suis pas un tricheur. Shimatsuro. Ah là là. Coucou, toi. Ah, c'est con, hein, la vie, hein. C'est la vie. Mais là, c'est plutôt la mort. Oh, 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 oh. Je vais vous douiller. Troisième forme. Et surtout, ça part sur une petite destruction de la zone A. Ah. Fallait mettre la clé avant. Putain, vous aviez large le temps de la mettre en plus. Non, on n'avait pas le temps. Et Loula. Maintenant, la Loula navette. Oh. Attends, mais toi, t'es fou, toi. Toi, t'es fou. Allez hop, une mort à la... à la Krilin. Ah là là. Et du coup, la navette... Non mais les gars, les gars. Kaioken. Je t'ai raté. Oh merde, je me suis pris un love. Allez hop. Merde, elle est où ? Ah, je suis aveugle, moi aussi. Oui. Non mais oh, toi, tu crois quoi, toi ? Non, toi, tu vas mourir, toi. Allez, hop. Oh non, le Mais si, t'as fait mal, t'as fait mal. Un peu. Tiens, allez, meurs, 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 meurs. Ah, Shenron, bande d'enfoirés. Allez, on a réussi. Attends, t'inquiète pas, ça va rien dire ça encore. Ça va rien dire ça. Mais bien sûr que c'est, ça veut tout dire, ça veut dire Bulma Ultra Instinct. Et ça, ça veut dire mort. Par contre, j'aime beaucoup comme quoi il y a personne qui... tu me campes pas et il y a personne qui vient me sauver. C'est tellement triste. Bah, moi je suis un bon joueur en vrai. Mais toi, ouais, bah... T'as cru que c'était. Mais l'autre il a vraiment cru que c'était à foire à saucisse, mais vas-y. Ouais, par contre, tu perds de la vie, attention. Calme-toi, calme-toi, mon ami. C'est fini là. T'es en train de détruire une ville? Non, pas du tout. Quel menteur! Non! Regarde! Je fais juste ça! Je détruis pas une ville là! What the fuck? Là c'est juste mon attaque hein, parce que je suis niveau 4 là! Oh, tu perds cher! Tu prends cher! Fini. Allez, c'est fini. Non. J'étais un pixel. Allez, je détruis la machine. Allez. Vous êtes tous morts. J'ai tué tous les terriens. Et j'ai le succès. C'est la lose. T'as cru que j'allais perdre? T'as cru que j'allais perdre? Eh, hey, hier il m'arrive un truc, ça m'a rendu ouf. On était à 99%. Je déconne même pas hein. 99% de la navette. Le sel l'a détruit. On était à 99%. Une seconde après. Juste il a eu une seconde après. On gagnait. Le mec il a appuyé, parce qu'on était tous au sol évidemment quasiment.
il a appuyé sur le bouton de la navette à la dernière seconde. J'avais le Du coup, tu veux te venger sur moi? Complètement. Ah, Freezer, en plus, mais je suis arrivé stade 4. C'est-à-dire que j'ai vraiment bien joué pour le coup. Alors, j'étais aveugle, hein, j'étais capitaine aveugle, mais en vrai... Par contre, là, j'ai fait victoire. J'ai eu que 3200 zénith. Je me suis un peu fait enculer. Aussi. Combien? 3000? 3200, ouais. J'ai eu 3900. Bah ouais, mais peut-être qu'en, alors peut-être qu'en survivant, déjà, tu gagnes plus, peut-être. Et toi, t'as eu la loose, en plus. Donc, c'est, t'as eu 3600, non. T'as eu 3900 en ayant non, la loose. 3... Ouais. J'ai eu 3900 zénith, 3940 zénith. Par contre, j'ai eu que des récompenses plates. Mais moi aussi, j'ai eu 3200 en ayant que du plate, quasiment. Il n'y en a qu'une seule, je crois, que j'ai eu en bronze. Et en vrai, je suis content, je m'en suis pas sorti. Tu vois comment tu jubiles, t'es forcément un méchant. Mais oh, tout de suite. C'est pas parce que j'ai un rire démoniaque et parce que je tue des chatons petit-déj que... Tout de suite. Non, non à la stigmatisation des méchants. Franchement, les gars, je vous trouve vachement, vachement dur avec moi. Tout ça parce que je me lave avec du gasoil et parce que j'adore manger des chats au petit-déj. Franchement. Alors, par contre, les gars, hein, la cuisson du chaton, je vous le dis tout de suite. Hein, la viande bleue, toujours bleue. Bonne viande bleue avec une sauce tartare. Le chaton ne fait pas exception. Petite curiosité, mon cher ami Ice. La suite de Temtem, pour quand elle est-elle prévue? Bah, plus ou moins quand tu veux, hein, encore une fois. Est-ce que ça te dirait de faire une pause? En gros, qu'on skip, ouais, qu'après on arrête DB et qu'on passe sur... Imaginons, je propose encore quelques parties. On fait une pause soit d'une demi-heure, ouais. Et après on décale sur Temtem. Ça me va, écoute, ça me va. Eh ben, nickel. Mais encore une heure au moins sur DB. Ouais, clairement. Par contre, il y a du bruit chez moi, je sais pas c'est quoi ce bruit. Ah, c'est une douche. Moi j'entends aussi un bruit. C'est bizarre, ça s'est arrêté. Ouais, moi aussi. Ah non, là ça a repris. Ouais, mais c'est quand je parle en fait. Ah, c'est donc ça. Désolé, hein, désolé, vous êtes un peu parasité. C'est toi le... C'est bizarre ce bruit, j'ai l'impression qu'il parle le nom de Ice. Non, mais c'est pas moi en fait. Non, mais je déconne, c'est juste dans la blague, le bruit c'est en fait la voix. C'est le côté d'être méchant gratuitement. Mais en fait, je crois que c'est un sèche-cheveux, je crois. Ouh, gaga. Ah, je suis méchant. Ah, c'était quoi ces touches? Ok. J'ai oublié de changer, de rimbang mes touches. Ah putain, excuse-moi, j'ai oublié de te le rappeler. C'est tellement grave. Content de ma victoire. Ah, il y a un gars... On va dire que heureusement c'est un homme. Ok. Pas compris, non, bah, mais bon, on fait pas de mon explication. Ouais, c'est au niveau vestimentaire. D'accord. Que je dis ça. Ah merde, le mec est vraiment pas loin de moi quoi. Vas-y. Ah non, ça. 400 mètres. J'ai cru qu'il était proche de moi comme je voyais son icône. Non, ça, bah, il a 400 mètres. Celle. T'as pleu? C'est qu'une larve. Ouais, bien sûr, la larve qui peut quand même bouffer des humains. On est que des humains, on n'est pas des guerriers saillants. Saillants? Oui. Avec Sudoku. Exactement. Son gros cul. Et VG gras. Ouais, voilà. Sudoku et VG gras. Est-ce que VG gras va toucher le brushing de Sudoku? C'est pas plutôt son gros cul? Non, je crois pas. Je sais plus. Bref. C'est pas grave. Oh, trop bien! Il y a des capsules de boue, mais genre, tu sais, vraiment avec souterrain et tout. Genre, tu rentres dedans et après, il y a un sous-sol. Par contre, je crois que je suis dans mauvaise... Non, ça va. J'ai peur d'être dans mauvaise zone. Putain, deux lance-roquettes, je peux pas avoir le lance-roquette niveau... Super, là, le super lance-roquette. VG Dream. Bah, évidemment, VG Dream. Le plus connu. Le plus puissant de tous les héros, VG Dream. Un détecteur. Alors apparemment, tu as eu une Dragon Ball, c'est bien. Oui. Alors le set n'est pas loin, hein. Donc bon. Ah mais il faut être immobile pour utiliser le détecteur. Non, pas du tout. Tu peux marcher et utiliser le détecteur en même temps. C'est ça qui est drôle en fait, parce que tu marches vraiment avec une animation de bras en mode Duke Nukem.
Non, je peux pas me déplacer. Si, ah, obligatoirement. En tout cas, le détecteur, si. Ah, parce que c'est le rouge, peut-être. Détecteur rouge. Quel détecteur rouge? Ah, tu parles du scooter. Bah, non, tu peux pas utiliser le scooter et te déplacer en même temps. C'est comme pour Freezer. Freezer, il peut utiliser le scooter que... Ah, il faut vraiment appuyer sur le bouton parce qu'il y a une débile. Moi, débile, moi, pas pouvoir appuyer sur touche et me déplacer. Ouais, surtout que tu peux utiliser le Dragon Radar en bougeant, c'est vrai que c'est con. C'est à mon avis pour éviter que tu balayes la zone avec un nuage magique ou une connerie comme ça. Parce que si tu balayes la zone, en fait... Je viens de sauver. Oh non, mais mec. Je sais pas si t'as vu ce que t'as fait. Moi, j'ai rien fait. Alors, c'est pas toi peut-être, mais il y en a un qui lui a tiré dessus. Ah, par contre, il essaie de me tirer dessus. Il m'a vu pendant casse-toi, un instant. Casse-toi. Bon, c'est bien. Non. Bah, évidemment, c'est moi qui me l'apprends. Ah, par contre, ce qui est bien, la barre de résurrection, elle descend pas aussi, ça c'est bien. La barre de ressuscitage. J'ai deux garlic canon. J'ai chopé un zone B. Je l'ai touché. J'ai chopé la clé de la zone B. Elle où la zone B? Moi je vais activer les clés. Attends, je l'ai touché deux fois de suite avec un garlic canon. Propre. Ouais, mais ça il fait pas ton. Ah putain, bah ouais, il a vla les dégâts. Si. Mais attends, les gants de Végéta ou rien à voir? Ou t'as vraiment utilisé juste ton attaque? Ah non, c'est deux gants de Végéta que j'ai utilisé. Ah ouais, et ça a l'air propre. Ça a l'air de le piquer. Ah, après, ça marche mieux, ouais. Y'a un Genki d'abat. Bah. Mais en vrai, vous allez le finir. C'est la première fois, mais oui. Si ça se barre pas, vous allez le finir. Attends, je vais me transformer. Si t'es niveau 2, là, tu peux le finir. Non, que 1, malheureusement. 1, ça va être compliqué. Mais après, si t'as une attaque, hésite pas à la spammer de loin. Merde, attends, c'est petite maquette. Je peux venir en dragon. Je peux venir niveau 1. Vas-y. Non. Faut que je m'échappe. Je m'échappe. Je régénère mon bouclier. Ah, je suis mort. Oh. Incroyable. Oh là là. Mais mec, on peut le finir. On peut le finir, il est resté. J'ai rien sur moi. J'ai rien sur moi. Y'a un Gohan qui est en train de le détruire. Oui. Il me faut vite un objet. T'as juste... Mais mec, juste un canon, on le finit. Ouais, mais j'ai rien là sur moi. Il est mort. Non, mais le Gohan est trop fort. Oh, attends, le Gohan. Je suis là ou pas? Ouais, je suis là. Je suis là en mode C17. C'est 17. C'est 18. C'est 18, pardon, oui, t'as raison. D'ailleurs. Oh là là. Alors, je comprends que ce soit les qui sont formulés par leur matricule, mais je préférais leur nom original, c'est-à-dire Lapis et Lazuli. Ah, je m'en souvenais pas de ce nom-là, tu vois. C'est en VF ou en VO? Oui, c'est... Alors, la victoire, j'ai gagné 1600 zénis, au secours. Sur toutes les langues, c'est leur vrai nom, c'est Lapis et Lazuli. D'accord. Mais en vrai, enfin, au secours, je suis... Ce qui est bien, par contre, les quêtes journalières, évidemment, bon, ça c'est le truc qui est bien avec les gachas. Au moins, t'as un intérêt, on va dire, à revenir chaque jour, même si ça peut être un peu poussé. Après, toxique. Certains d'entre eux qui seraient plus informés que moi pourraient confirmer, je sais plus lequel est lequel. Si je me trompe pas, c'est 18, donc la fille. Ouais, je pense que c'est la piste pour C18 parce que ça a aucun sens. Non, non. Bah non, parce que la piste c'est le bleu. Et justement, la couleur des yeux. Bah les deux c'est bleu. Ah oui, t'as raison, en plus t'as raison, je suis con. La Suisse serait pour C18 et la piste pour C17. En vrai je suis sûr qu'on a fait une recherche Wikipédia, on l'a trouvé en 2 secondes. Il me semble que c'est ça. Bah regarde, hop, juste... Tu mets la piste DBZ. Tu tapes Android 17 juste, Non, tu mets juste la piste C17, C17 c'est la piste. Et la Suisse c'est C18, t'as raison. C'est bien ça, voilà, c'est bien ça. De son vrai nom, il est né le 6 mai. Ok, pourquoi pas. On est bien. Ah bah... En vrai, le jeu est sympa. Le jeu est vraiment sympa, quand même. On est sur un... Alors, pendant le chargement, je reviens. Petite urgence. Bien sûr. Il va au cabinet, les gens. Ou alors, il va s'occuper de son gros cul et de VG gras. À savoir que tu peux prendre l'apparence du fermier, même.
Hier, Florian nous a fait la surprise. Il avait l'apparence du fermier de Dragon Ball. Avec son tromblon. D'ailleurs, le fermier qui est pas du tout discret. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je disais que t'avais un gros cul et que t'allais affronter VG Gras. Non, j'ai posé juste ma bouteille. Ah. Mais qui a sorti sa grosse bouteille de coca, là, bien fat. Ouais, je lui ai même donné un petit surnom, il s'appelle le iceberg. Oh, c'est mignon, tu penses à moi. Oui. En vrai, je me demande si c'est 18, enfin, je regarde. Il y en a un, attends, il y en a un en bas à gauche, il est trop malin. Ah, friendcode MYSTP, ok, d'accord. Ouais, pour qu'il se fasse ajouter par plein de monde. Et oui, pour augmenter... C'est... Non, vraiment, ça, c'est une technique, c'est super malin. Ouais, au début, c'est juste parce que tu vas avoir 6 potes, en fait. En fait, il t'en faut 6, mais t'as une limitation, apparemment, de gens que tu peux ajouter. Bah, 8. Même pas 6, on m'a dit. Ah ouais, ça aucun sens. Peut-être un peu plus. Bah non, enfin, je sais pas. Après, t'es pas obligé de les avoir en ami dans le jeu pour les inviter, tu peux être en ami Steam. Je crois savoir où est le problème. À mon avis, vraiment, tu peux pas créer un tag de plus de... Est-ce que ça serait possible de créer un tag de 8 joueurs? Parce que là, ça serait... Enfin, si c'est possible, bon, d'un côté, c'est classe, mais de l'autre côté, il y aurait possibilité d'abus de type « Tout le monde fait le maximum d'objectifs. » Ouais, la DBD, quoi. Leurs objectifs. Ouais, mais dans DBT, voilà, tu peux pas... DBT les parties... Dans DBD, j'ai dit, tu peux pas lancer les parties entre amis sans que... Enfin... Tu peux lancer une partie customisée auquel l'un de tes amis est en plus de ça le tueur, mais personne ne gagne de points. En vrai, ça me tente très bien de pas mal farm sur DB The Breakers. Après, je vais pas farm en mode compète ou même en mode gros joueur, mais le jeu me plaît bien en fait. C'est un jeu, je vois pas trop de temps passer en jouant, tu vois. C'est les genres de jeux un peu comme Fall Guys et tout. Après, Fall Guys, je m'en suis lassé au bout d'un moment. Celui-là, lui aussi, je vais finir par me lasser. Par contre, le chargement, allô ? Ouais, le chargement, bah il y a des chances qu'on se fasse expulser en vrai de la partie. Ah non, parce que lui, il a pris 50 secondes à choisir ses trucs. Ouais, d'accord. On est sur un mec un peu relou, quoi. Bah, il est niveau 3, donc ça va être mais que ça. Non, mais en fait, ça a aucun sens, parce que en fait, ici, tu devrais même pas prendre 20 ans à choisir. Tu choisis juste le méchant que tu as. Parce qu'en vrai, tu peux pas modifier les compétences, tu peux pas les améliorer dans le menu de combat. Tu peux les améliorer que dans le menu principal. Bah, quoi. Je sais pas. Bah, laisse-le lire, hein, il débute. Ouais, mais tu vois pas les informations, il te donne pas les infos des attaques, donc c'est un peu dommage. Bah, je crois pas, je sais plus. Ah, dès le début, là, je vais commencer de plus en plus à utiliser mes objets dès le début, vu que je les recharge. J'ai le détecteur, j'ai le scooter. En plus, ce qui est bien, c'est que le scooter, c'est pas un rechargement comme pour... Alors, comment je sais les objets que j'ai sur moi? Par exemple, si j'ai une Dragon Ball, je le vois où? Dragon Ball, bah, tu le vois en bas à gauche. Tu le vois sur le personnage. T'as l'icône de Dragon Ball, il va même te laisser le bouton pour les placer. Ok, bon là j'ai gant de Vegeta. Gant de Vegeta, ça a l'air vraiment violent. Franchement, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal ça. Civil sauvé. Je me demande si c'est un succès si tu sauves tous les civils. Parce qu'en vrai, à chaque fois, j'ai jamais sauvé moi-même tous les civils. Enfin, pas moi-même, mais je veux dire, jamais. Était survivant quand tous les civils étaient sauvés. Mais j'ai déjà eu le tueur qui avait marqué tous les survivants étaient sauvés. Mais je crois pas avoir moi-même été un moment où tout le monde avait survécu. Enfin, tous les civils avaient été sauvés. Est-ce que Bon, d'accord. Apparemment, je peux wall jump une cascade. Pourquoi pas? C'est une cascade. Bah écoute, en mode Naruto quoi. En mode Naruto? Parce que là, c'est. Ouais. Bah si, Naruto peut wall jump, hein. Ils s'en foutent, hein. Le chakra ça marche aussi comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Quand il court à travers une cascade, techniquement c'est des petits sauts. Hein. Tu sais, c'est le même truc, c'est le même sur Malcolm, tu sais, avec Al qui fait de la course à pied. Regardez, il ne marche pas vite, il court, les deux pieds ne sont pas seuls, il court. C'est flèche des indestructibles. Alors attends, j'ai un dragon radar mais niveau 1, un peu nul. Oh, apparemment il y a une... Oh, trop bien ce que j'ai fait. Oh, je suis un Krakitos. Par contre, Eve. Oh, attends, le Vegeta. Craquage. Il ou le connard? Bah, dans les airs. Ça, dans les airs. Bah, en train de détruire la zone. Ah oui, merde, d'accord, je vois le délire. Je suis en train de voir le problème. Bon, après, peut-être. Ça va, je suis tout seul, là, ça. Ah, il y a des mecs en bas. On est tous au même endroit, par contre, les gars, c'est... Oh, c'est nul à chier, les gars, on est tous au même endroit. Oh, par contre, hey, tu peux utiliser le scooter pour tu peux utiliser le scooter en chute libre. Garlic Cannon. J'ai moi aussi un canon garlic, je peux aussi le faire.
Je l'ai touché, il est en train de s'énerver. C'est bon, j'ai réussi à m'enfuir. Douce connard. J'ai fait tout le tour pour... j'ai pris sur la grue et j'ai... Merde, je me suis fait déboîter. Est-ce que je... Mais il m'a détruit, il m'a détruit le sel. Ok, j'ai réussi à sauver les gens. Alors si tu peux même sauver moi aussi bientôt. Mais... Je vais tenter, mais il a l'air d'être... Dragon Ball, cet enfoiré. Il a surtout l'air d'être à côté de vous. Non, ça va, ça... Enfin, il... Non, ça... Attends. Non, ça, il campe pas. Attends, quoique. Bonjour. Mauvaise idée. Désolé, je t'ai pas prévenu, il a campé. Comme un porc. Casse-toi plus vite. Ah, ça me fait chier, je vais mourir bêtement. Je vais mourir aussi connement, ça me fait chier. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Ouais, je sais. Ah, mais ils sont en train de se faire des boîtes. Ils étaient tous au même endroit, vas-y. Ah, mais ils me campent, cet enfoiré. C'est vraiment, c'est insupportable les mecs qui jouent comme ça. Hein. Bah, il a vu que j'en ai sauvé deux là, donc du coup il se dit « Ah, tu ne sauveras pas le troisième », et malheureusement le troisième c'est toi. Oh, vas-y, je déteste, oh, franchement. Non mais même Sunari qui se barre à l'autre bout de la map, vas-y. Les mecs, ils étaient là tout le temps, et par contre quand il y en a un, il se fait mettre à terre, là les mecs... Bon, c'est la panique. Non mais c'est détestable ce genre de comportement. Bah, pour les joueurs, malheureusement, on peut pas trop leur en vouloir par rapport que... Bah, mais de toute façon, sont... même le sel, sont... c'est un bâtard, tu vois. Moi, je trouve que je joue quand même plutôt honnête, tu vois. Ah oui, oui. Bon, Freezer, j'ai pas essayé de faire la pute avec vous, hein, alors que j'aurais pu. Hein. Putain, tout ça parce que j'ai lâché un Garlic Cannon pour sauver un mec. Évidemment, j'ai pas réussi à m'enfuir. Moi, j'ai sorti un Garlic Cannon. Parapluie, tu peux avoir un objet, c'est un espèce de parapluie, apparemment. Genre tu... Ouais, c'est ça, le mec il a un parapluie, il a un robot aspirateur et ça lui permet de planer. C'est le prévision là. Ah mais toi tu peux pas, t'es en plein game. Il est à côté de moi. Aïe. Bon, à mon avis t'es mort. Ah, je pense que le sel il va gagner hein, de toute façon. Oh, tu crois quoi? Oh, j'ai récupéré le bouclier. Ah mais il t'a défoncé. Le bouclier, ouais. Non. Il a fait toi. Tu vas gagner pour la dernière fois. Toi t'es mort. Bon, à mon avis là c'est fini. Hein. Là ils sont à deux et je pense que... En vrai, je sais pas s'ils vont essayer de faire... Moi je pense pas qu'ils vont essayer de faire la zone. Ah par contre ils ont fait la zone juste avant qu'elle pète. Ouais c'est bien. Tant mieux. Mais du coup... Oh il va vers moi. Ouais, est-ce qu'il va sauver? Est-ce qu'il va réussir à sauver? Ah là en vrai il a le temps. En plus de ça... Ah il y a un survivant à côté de vous. Et deux caisses. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'ai essayé de me réfugier en même temps de... J'ai essayé de tout faire en même temps. Il est en train de détruire la plateforme. Ah, mais vous avez pas de niveau, donc c'est mort. Moi, ouais, je suis bientôt niveau 3. Ouais, mais ce sera pas suffisant. C'est pas contre lui, mais... Ouais, faudrait en fait que je lui pique devant ses yeux le... Ah. Mais trampoline, j'utilise pas assez aussi. Je vois que le mec qui utilise ce trampoline, je l'ai pas assez utilisé. Et j'ai trop peur d'en manquer quand j'en ai besoin en fait, alors que je devrais utiliser. Ok, c'est bon, je suis 3 maintenant, il faut que je régène mon énergie. Mais à mon avis, prévision, il a pas l'air d'être chaud pour les fights. Hein. À 2, peut-être vous pouvez faire un truc, mais je pense que c'est mort. Hein. Là, à mon là, avis. Ça va être très compliqué. Là, il est en train, en plus, à mon avis, il est en train de péter la capsule, je pense que ça va être chaud. Hein. Oh là, ouais, Lucky, je t'ai vu, tu t'es barré. Bah c'est la capsule de Vegeta oui, en fait. Oui j'ai vu je sais, j'avais déjà eu moi aussi. Voilà qui est pratique. Ouais. Ah par contre t'aurais dû activer le truc vert. Ah mais je vois rien. T'as pas pu te transformer tristesse. Ah la capsule verte t'aurais pu avoir les boissons énergisantes qui augmentent ta barre de P. En fait je voyais rien. L'écran était tout jaune à l'atterrissage, il y a une pollution visuelle. Ah. Toi aussi tu voyais que c'était jaune? Non enfin, moi je voyais ce que tu faisais. Moi je voyais plus rien, c'est j'atterris bon, et bah, l'écran était jaune. L'autre il est en mode non, s'il te plaît, laisse-moi. Il fait des emotes de Trunks avec sa genouille et tout. Ah, moi je voyais Vegeta perso. Oui, Vegeta et juste après il a spawné une autre emote. Ah, ok, d'accord.
Bon. Il reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Mais prends la capsule là, elle est juste à côté. Voilà. Moi qui se barre quoi. Ah, le sel parfait niveau 4, il vous a tous explosé. Eh oh! J'ai fait en sorte de m'en sortir. J'ai essayé de sauver quelqu'un, d'accord? C'est... Par contre, c'est incroyable que j'ai atterri, mais pile à côté de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a vu qu'il s'approchait. Par contre, j'ai remarqué qu'il y en a qui arrivent à s'accroupir contre la. Oui, bah, c'est juste de t'accroupir et que tu te mets derrière un objet, ça te cache derrière. Genre, si tu t'accroupis et que tu te mets derrière une caisse, ça te colle à la caisse. J'ai même pas vu le sel, je sais même pas où il est. Ah, il est là-bas. Il est juste au-dessus. Il va pas l'avoir. Oh, propre, propre. Il a réussi à s'échapper. Attends, pas encore, pas encore. Non, oh, c'est fini. Oh non. Oh, dommage prévision. Oh non, il les a tous kill. Oh, la tristesse. Oh non. Mais... Ah, il doit avoir le démon. Mais... Ah, ah non, j'ai été un peu rapide. Ah. À toi, ça coûtait trop cher en doublage, ils ont payé que le A. Oui, tu peux éclater la. Alors, tu peux éclater la time machine principale. Parce qu'en fait, en gros, il y a deux time machines. Là, en fait, si lui l'avait pris, ça aurait pas fait une victoire. Ça aurait fait juste que lui il perdait pas. En fait, ça aurait fait que juste. Lui n'a pas défaite. Voilà, c'est tout. C'est... Voilà. Même quand il vole. Pas victoire, mais non, il a mais pas là, là, oui, en fait, quand elle vole la capsule de fin, la capsule de téléportage, il a quelques secondes, évidemment. En fait, parce que lui. Il peut aller chercher ses potes en fait. Avec la même capsule, tu peux monter à plusieurs dedans et tu peux partir après. Donc si lui il a pas déclenché assez vite l'allumage, c'est fini quoi. Là, en gros, il y a un petit cooldown le temps que la capsule elle parte quoi. C'est le temps que les gens puissent arriver, monter dessus si le mec qui déclenche. Il y a 3 secondes. Après, je sais pas, j'ai pas pris de capsule. Plus. J'ai pas pris de capsule moi donc je sais pas. Mais déjà, il y a la grosse time machine de fin. Celle, il peut la détruire déjà. Enfin, n'importe quel ennemi peut la détruire. Et nous, on doit la recharger, en fait. Let's go. Le fait que tu te fasses aspirer... Nanana. Est-ce que ça serait la dernière? Non. Oh. Peut-être pour toi, après, si tu veux partir, y'a pas de soucis. Eh ben, je pense que je ferai ma pause juste après cette partie-là. D'accord. Établissement de la connexion en cours. Mmh. Bah c'est bon, les 8 joueurs sont là. Ah, tout de même. Mais moi je suis trop beau en C18 je trouve. Avec la petite veste en jean et cheveux devenus jaune or. C'est trop bien. J'ai trop de swag. Mais ouais, j'aimerais bien avoir la même C18 mais en niveau 5. Histoire d'avoir peut-être d'autres attaques. Parce que son attaque à C18 elle est pas oufissime en vrai. Elle fait un espèce de barrage de Kikoa. Après je l'ai tapé hein le... C'était qui qu'on avait vaincu? C'était Cell. Le Cell j'avais tapé. D'ailleurs j'étais content parce que j'étais en train de ramper au moment où on était en train de le finir. Donc du coup il m'avait pas absorbé. Chet. Oh trop bien. Il y a une meuf, elle arrive en TP. En téléportation instantanée. Attention. Oula, j'ai eu peur. Bon bah écoute, elle va prendre la caisse, vas-y. Oh, c'est la zone de merde, là. Je suis dans une zone un peu nulle. Oh, je suis dans la salle de Dieu. La salle du temps, là. Enfin, je suis pas à l'intérieur, mais je suis dans le palais de Dieu.
Il copie en tout cas. Ah, y a un truc important, il faut vraiment tout péter parce que tu peux tomber sur des caisses de trucs de récupération. Tu peux même tomber sur des Dragon Ball quoi. En complètement random. Loki, Loki, est-ce que tu vas bien? Moi oui. Est-ce que tout se passe bien pour toi? Tout à fait. Ah, je récupère des zéniths, c'est pas ouf. J'en ai rien à péter du zénith. Je cherche une zone à looter intéressante. Là. Un truc intéressant à looter là. Boisson de récupération, ça c'est bien ça. Pour générer sa barre de transfo. Au début, j'avais pas très bien compris comment la barre de transfo fonctionnait. Maintenant, j'ai compris. En vrai, c'est tout simple. Même si t'es niveau 3, tant que ta barre de transfo elle est pas complète, tu peux pas te transformer. Mais il y en a, ils enchaînent les trucs, hein. Le mec, il arrive à être déjà niveau 2, quoi. Ah, mais il y a une personne qui est près de moi, là, donc... On perd du temps. Ah! Tant mieux. Un survivant. Ouah, mais il y a des mecs, ils sont abusés. Ah, des Senzu. Du coup, Twilight a des Senzu. Ah, un Senzu, au moins. Oula, calmez-vous. Ah, il va détruire la zone. Ah, l'enfoiré. Écartez-vous! Attends, c'est toi le méchant? Attends, mais là, c'est toi le méchant? Ah, putain. C'est pour ça qu'il parlait pas depuis tout à l'heure, ce connard. Je le disais bien, c'est bizarre, il dit rien depuis tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Il a un coup de fatigue ou quoi? Il s'attendait à ce que je révèle ma position stratégique. Non, sinon, tu aurais dit bien avant, t'es où? Ah, quel bâtard. Ah, il y en a, ils veulent tenter le fight. Hein. Vas-y, tu sais quoi? Je vais le tenter moi aussi. Il est où? What the hell? On le fait à deux, le sel. Le sel, on le prend à deux, on le gère. Merde. Ah merde. Ah, je suis au sol. C'était toi? Oh merde, je suis désolé. Connard. Après, t'es le dernier à m'avoir attaqué. Non mais t'inquiète pas. Et j'en entends un derrière. Qu'est-ce que tu veux, Louis? Oh, le missile. Non, j'ai failli m'échapper, dommage. Ah, zut. Petite difficulté avec les touches. Ah, tu galères. Ah, le lance-roquette donc permet d'interrompre l'action d'achever. Intéressant. Il faudrait que... J'aurais dû jouer... Juste après. Enfin. Alors, truc intéressant, tu ne peux pas utiliser les Senzu sur toi-même quand on est en train de te réanimer. Des gros bisous, mon cher Light. Kaioken. Oh, what? Le Kaioken, ça détruit le bâtiment. Ok, logiquement, là, je suis en train de mettre à terre un peu tout le monde. L'idée c'est que j'attaque pas deux fois de suite la même personne. Non mais j'ai bien compris qu'on peut pas utiliser Senzu quand on m'a achevé au sol. C'est juste que je disais que quand on est en train de me réanimer, tu sais, tu peux. Enfin, tu vois tes objets. Et je me suis dit peut-être que tu peux prendre un Senzu pendant qu'on est en train de te réanimer en fait.
Et en fait, non. Tu ne peux pas prendre un Senzu pendant qu'on te réanime. Mais on peut t'en donner un, par contre. What the fuck? Tu ne nous auras pas. Tu n'auras pas notre motivation. Notre motivation est à toute épreuve, mon cher Loki. Il y a un truc que tu n'as pas compris, que tu n'as pas dans la vie. Des amis. Merci. Ah, c'est con, hein. Se bloquer comme ça avec la Time Machine. Ah, en effet. Je pensais que je pouvais détruire la zone où vous êtes actuellement. Non, ce sera abusé. Là-bas. Tout à fait. What the hell? Allez, je te pète la gueule, moi. On a réussi. Bon bah tant pis. Bon bah la prochaine fois, je camperai. Oh, le mauvais joueur. Non, je déconne, je déconne. Le mec en mode DBD, tu sais. Je pense pas une seule seconde. Ah, on me propose de bouffer Greg ce soir. What? Ah non, tu peux pas... Ah non, mais il y avait du temtem, mais tu peux pas refuser un grec. Non, mais je me le fais livrer et je mange en live. Oh, ah ouais, d'accord. Non, mais on avait pas mangé dehors, oui. Oui, c'est pas. Non, mais c'est à la maison qu'on me propose. Ok. L'individu de sexe féminin qui vit avec moi, qui s'appelle aussi ma mère, a enfin compris qu'il faut plutôt m'envoyer un SMS que de toquer à la porte. Eh ben. Je parle comme ça parce que je parle comme celle, évidemment, parce qu'on n'a pas de succès. Est-ce que ça... c'est maintenant? Bah, elle va sûrement commander après, je sais pas. Parce que sinon, à la rigueur, on fait la pause. Non, mais je vais jouer avec Florian un petit peu. Parce qu'il m'a proposé... Je vais jouer avec Florian. Parce que toi, tu veux partir. Après, si tu veux rester, on peut jouer à plusieurs, mais... moi, t'inquiète, je peux bouffer en stream, tu vois. Je vais essayer de bouffer un peu proprement, pas trop sale. Pas trop, hein. Un peu, mais pas trop. Eh bien... Tu m'enverras un MP quand ça décalera. De toute façon, je t'ai dit, je fais encore une demi-heure de partie. C'est parce que les parties s'enchaînent très vite, en fait. Oui, c'est vrai. Mais je fais en gros une demi-heure, je pense. Et c'est tout de même. Et même si je me suis fait laminer, bon, déjà, les gens, les joueurs, ils avaient l'air de parfaitement savoir ce qu'ils faisaient. C'était. En vrai, je trouve que je me suis pas trop mal démerdé non plus. Bon, je suis mort contre toi un peu bêtement. Je sais pas, vous avez été 5... Bah, à la fin, c'est moi qui t'ai pété la gueule, hein. Ah, je sais pas, moi j'ai juste vu que dès le début vous avez été à 5 à me foncer dessus. Et je fais, mais foutez-moi la paix! 1 de moi, 2 de moi, 3 de moi, 4 de moi, foutez-moi la paix! Apparemment, celle il est dur à jouer sur ça. Bon, du coup, je vais déplacer Florian, qui est avec nous sur Discord dans 2 secondes. Allez! Bah, sur ce, je vous laisse et à la prochaine fois! Bah, à la prochaine, mon cher Loki. Bye bye! Et bonne partie à vous deux. Tchuss! Merci! Ça va, Florian? Ça va et toi? Ça va, du ça coup, va. Aussi. Pardon? Du coup, mon pote qui voulait jouer avec nous tout à l'heure est parti aussi. Ah, tristesse, désolé. Hein. Désolé. Ouais. Enfin, c'est pas très grave en vrai. C'est juste alors, que. C'est en quoi, vrai, numéro on s'est dit on allait faire 2-3 games, après on allait vous inviter. Et en fait, c'est juste que tu connais, hein, ça s'enchaîne tellement vite que. T'inquiète, j'ai pas vu le truc passer. On penche pas, hein, c'est pas grave. C'est quoi le code? C'est 3630. Alors c'est 8031 1920 1920 1920 8033 1920 1920. Ah, salon spécifique. Ah, tu m'as dit 8031, hein, tu me dis 8033. J'ai dit 8033. Ah putain. 8033 1920 1920 1920. 8033 et 1920. Mais c'est vrai que les numéros du Père Noël, là, en clé de salon... Mais comment vas-tu, mon cher Florian, sinon? Ah, ça va, j'ai joué avec un autre streamer juste avant, parce que du coup, j'étais parti jouer avec quelqu'un d'autre. Et c'était cool? Et c'était un mec qui arrêtait pas de critiquer le jeu, mais bon... Mais genre, qu'est-ce qu'il disait, par exemple? Et le jeu, il est moche,
le jeu, il n'est pas bien expliqué dans le tuto. Ça, non, c'est par un contre, peu c'est vrai. Une réalité, c'est une réalité, le tuto. Ça, c'est un peu vrai. Ça, je suis désolé, mais le tuto, c'est pas qu'il est mal expliqué. C'est que c'est littéralement le tuto le plus inutile de la Terre, vraiment. Après, il disait que c'était le jeu du diable. Ah, par rapport au gacha, par rapport à quoi? Même pas par rapport au gacha, il aimait pas le jeu, quoi. C'est un peu naze. Surtout si le principal truc qu'il a reproché, c'est que le jeu il est moche et ça. En vrai, il est pas plus moche que Xenoverse déjà. Après, je sais que beaucoup disent que Xenoverse Dead by Daylight c'est mieux. Voilà. Oui, mais bon, ça c'est évidemment les mecs qui font des guerres de drapeaux, tu vois. C'est... J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ouais, je sais, j'ai cru comprendre. Non, même si je l'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi quand t'as dit mauvaise nouvelle, j'ai compris. Bien évidemment, je lance le stream en fond afin de soutenir la chaîne. Bonne chance et bonne partie à vous deux, vous pouvez y arriver, merci. Enfin, non, techniquement, nous deux, on va pas y arriver là, bizarrement. Là, il va y avoir un petit problème de synchro là. Mais merci. Vas-y, je prends bout pour changer. Allez. D'ailleurs, je rappelle, si vous voulez lurk intelligemment et que même le son de ma voix vous casse les couilles, parce que ça peut arriver hein, si vous êtes en train de faire autre chose, même si, bon, techniquement, écoutez ma voix, elle est suave, elle est belle. Mais ce que vous pouvez faire, et qui marche très bien, c'est mettre un nouvel onglet, ne pas couper le son évidemment sur le Twitch, parce que ça enlève la vue malheureusement. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous êtes sur Chrome, et je crois que sur Firefox ça marche aussi, vous faites clic droit sur l'onglet, en plus oui, sur Firefox ça marche, puisque j'utilise Firefox, vous faites clic droit sur l'onglet, vous faites couper le son de l'onglet. Et ça marche, ça continue quand même de mettre la vue, et comme ça, si vous êtes en train de faire un truc hyper important, bah, le son de ma voix ne vous dérange pas. Si vous voulez juste lurk pour soutenir. C'est le genre de truc que j'aime pas trop dire parce que ça veut dire genre littéralement bon les gars, pitié s'il vous plaît donnez-moi une vue, j'en ai besoin pour manger. J'ai faim. Surtout que ça te rapporte rien les vues. De quoi? Surtout que ça rapporte rien les vues sur non, Twitch. Non mais ça rapporte rien mais... Non par contre c'est quand même important les spectateurs parce que les spectateurs ça reste que plus t'as de spectateurs plus t'es mis en avant dans la catégorie. Malheureusement t'as aussi... Alors je dis pas que c'est ton cas à toi ou d'autres parce que vous êtes tombé dessus par hasard. Mais il y a aussi ce côté de... Les gens, ils ont tendance à aller sur des streams où il y a des spectateurs. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que t'en as plein qui essaient de follow back ou des trucs que je supporte pas personnellement. Je trouve ça inutile, ça fait que du... De l'abonnement fantôme vers la fin. Ouais, genre t'as un stream et il y a personne dessus. C'est ça. Alors que t'as plein de followers. Exactement. Ouais, je connais. Puis j'ai aussi eu un mec qui s'est amusé à me ramener des bots sur pendant que j'étais en stream. Ouais. Mais en plus, je trouve vraiment payer pour te ramener des bots, je trouve que c'est vraiment une activité que ouais, je comprends pas. Ouais, mais le pire du pire, c'est payer pour ramener des bots sur le stream d'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est ça, mais je comprends, je trouve ça bizarre, ouais. Le mec voulait m'aider, mais du coup, ça m'aidait pas, quoi. Après, l'intention, elle était pas forcément mauvaise, mais des fois, elle est mauvaise. Mais tu dis, pourquoi le mec, il a payé pour t'envoyer juste des bots? Enfin, c'est con. Ah, putain. Désolé. T'inquiète pas, tu m'auras pas. Où est-ce que t'es passé? Dans ton cul. Y'a de la place apparemment. Attends. Attends, je me demande. Ah, bien joué. Ah, tu m'as pas eu avec Zabon et Dodoria. Hein. C'est j'ai con. J'ai pas hein, Zabon et Dodoria, je joue pas Freezer. Ah, tu joues à Spopovic, je suis con. T'as envoyé l'autre à le frère. D'ailleurs, qui fonctionne de la même façon, c'est juste que tu l'envoies et s'il trouve quelqu'un. Arigato. En vrai, ça va, je m'en suis bien sorti, non? J'ai eu le bon réflexe contre toi. Non? Tu ne veux pas avouer que... Attends, je suis un peu concentré, je t'avoue. Je suis en train de poursuivre un cochon. Qui veut pas se laisser faire. Vilain cochon, vilain. Donne ton énergie, cochon. Allez, vous avez déjà trouvé plein de clés en plus. Je sens que je vais encore me faire rouler dessus à cause de ça. Oh, on a trouvé que deux clés, ça va. Calme-toi, Spopovitch. Spopovitch, je suis pas content. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est plein de survivants. Ah ouais, moi zéro, hein. Pas un seul. Ça, c'est ça qui est dur avec Bou, en vrai. Oh! Et qui c'est que j'ai trouvé? C'est beau, ça, ça brille. Bah alors, on n'arrive toujours pas à invoquer Bou? T'es un peu nul à chier, quand même. Non, mais je suis en train de coucher des gens, donc... Même sans Bou. Ah, oh, t'inquiète. Hop! Ça, c'est Bou. Ça c'est Bou. Et ça c'est Bou. Ça c'est, bon. Ça, c'est Bou. Tu sais, j'ai vu un mec, il a gagné en popo vite. Hein. Allez, tiens, nouvelle clé. T'aimes bien ça, hein? Oui. Kenta! Kenta! D'ailleurs, c'est dommage que nous on puisse pas détruire
Le truc de boue. Bah, ce serait bête. Non mais genre, genre libéré, au pire, non mais au pire ça met un cooldown, tu vois. Oui, oui. Est-ce que ça a marché? Attends, je crois que je vais y arriver. Oh mec, t'es t'as genre, quand même mis la t'es Captain clé. Aveugle. Oh là là. T'es Captain aveugle hein, par contre. Hein. Qui moi? Ouais, j'étais à 80 mètres de toi. Ouais, bah j'étais à l'autre bout de la map en train de réanimer mon bout. Bah ouais, mais j'étais juste à côté de toi. Bah oui, mais si je suis dans les airs en train de détruire une zone, je peux pas redescendre. Ah là, on a réussi à activer la C et la A en même temps, c'est trop beau ça. C'est moi qui ai activé la A. Je suis content. Alors, moi j'ai vraiment pas de chance. Donc je vais éviter quand même de faire l'idiot. Pour éviter de le dire aussi, ouais. Ouais, je sais, mais bon. Après, tu me vois pas parce que t'es aveugle, donc dans tous les cas... Oui, je suis aveugle man là, actuellement. Là, t'es vraiment aveugle man, ouais, de très très loin. Surtout qu'il y a des murs invisibles chiants dans les airs. Ouais. Ah, mais j'ai vraiment trouvé zéro survivant en fait, hein. Enfin, tu m'as compris. Non, mais cette map est très dure, hein, je trouve, pour trouver survivant. Pour ça, il y a. J'ai entendu un truc faire IA, mais il est pas là. Ah oh là là, aveugle man. Peter, c'est moi qui te cours après. Et en plus, le survivant, tu l'as loupé, mais genre, il était pas loin de toi. Mais je suis en train d'en tabasser un autre. Ah, t'es en train de tabasser un mec, d'accord. Ah bah oui, je peux pas tout faire. Ah, par contre, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ou alors, je joue comme un pied. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est que vous, il voit rien en fait. C'est ça le souci. C'est que les autres persos, t'as des capacités pour t'aider à trouver survivant. Ah bon, j'ai un peu fait le malin. Non mais hey, le mec avec son lance-roquette là aussi, c'est bon. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Le mec, il a 4 lance-roquettes, il vient me casser les couilles. Mais il a peut-être juste 2 super lance-roquettes. Oh mec, j'étais encore... Je me suis encore enfui de toi. Oh, quel craquitos je suis. C'est pas vraiment ça, c'est surtout qu'il y a 40 mecs qui me tirent dessus aux lance-roquettes. Il y a 3 mecs sur l'escape theme machine, je sais plus quoi. Ah, tu pourrais quand même soutenir ma beauté de jeu, tu vois. M'en sors pas trop mal pour une fois. C'est moi qui joue comme un pied, ouais. Le mec, il m'autoriserait rien, tu vois. Même pas, il me féliciterait un petit peu, tu vois. Non, rien. Le mec n'est que aigreur. En vrai, t'as vraiment moyen de nous péter la time machine, en vrai. Je pense oui, que parce que personne péter. Ne vient. Bah, compliqué, Moi, à titre personnel, je n'ai pas de transfo là actuellement. Que tu m'as pourchassé juste avant. Ah, mais ils sont où les autres? Ils veulent pas défendre leur thème machine? Personne n'est là pour ils ont décidé de ne plus jouer quoi. Bon, bah tant mieux, hein, tu gagnes. Ouais, mais je gagne sans faire trop de kills quoi, c'est un peu dommage. Ouais bah super, tous les civils ont été secourus, j'en ai pas tué un seul. Et t'as réussi à péter la machine, c'est super beau. Mais techniquement, on peut quand même gagner en te tuant, non? Oui, mais t'as 1 minute 40 pour le faire, quoi. Oh! Oh! Ah, la meuf que j'ai buté, elle a quitté, du coup, je peux pas la bouffer, d'accord. Ah, c'est bâtard, ça. Après, tu pouvais rien faire, de toute façon. Allez. Qu'est-ce qui branle, l'autre? Allez, on va y arriver, gars. Mais monte! Ah, il peut pas, je crois. Si, il peut. J'ai peur. Bon, vous en voudrez pas, les gens, mais on se casse, hein. Je suis en train de manger un mec, j'ai mangé le dernier. Voilà. J'ai pu prendre la fuite. Mais c'est débile, on aurait pu gagner facilement, ouais. Oui et non, parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts non plus. Hein. Ce qui
qui est bien avec Boo, c'est que si vous étiez venus tous sur moi, je me serais fait péter. Oh mon chat, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Mais bravo quand même, t'as quand même gagné. Oh oui. En j'ai vrai, très mal joué. Ouais, mais peut-être qu'en s'argent tous, on aurait pu te péter la gueule en plus. Et le pire du pire dans cette histoire où j'ai gagné, c'est que c'est en fait... surtout sur bad luck, quoi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est aussi que j'étais trop loin de toi au moment où je me suis enfui. En fait, j'ai commencé à m'enfuir trop loin de toi, donc j'ai pas pu profiter des capsules. Si j'avais eu un truc de transo, j'aurais pu me mettre niveau 2 et au moins essayer d'éviter que tu pètes la machine. Peut-être que j'aurais clairement pas réussi, mais au moins... Le pire, c'est que la machine, je l'ai fait durer un peu. Hein. J'ai vu, parce qu'elle montait, même t'étais toute seule devant, elle montait encore, donc... Personne n'a voulu aller venir jouer avec moi, quoi. Ouais, parce que personne voulait jouer avec toi, personne n'a voulu. Ah. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu, vous avez tous fui directement. On est des lâches. Des lâches. Ah, mec, j'avais pas tenté tout seul, hein. Quand j'ai vu les trois qui voulaient partir, j'ai fait « Attendez-moi !» J'allais pas prendre de risque, je t'avoue. Encore une ou deux games, je pense, on va s'arrêter là. Ok. Ah, parce qu'après, en fait, faut que je prenne une pause et... Après, j'irai jouer à Temtem. Faut changer un petit peu. Moi, je joue pas à Temtem, je l'ai pas. Le jeu est sympa. Je sais qu'il est sympa, mais j'ai pas d'argent. Ah. C'est le gros problème, ça. C'est vrai que c'est un autre problème. C'est le gros problème de tous les jeux. J'ai vu qu'ils allaient faire la prochaine update, ils allaient rajouter plein de nouveaux 5 étoiles. Ah. Ah bah attention, ils vont augmenter le gacha, mais j'espère qu'il y aura des... de raider, genre il y aurait des 5 étoiles Freezer, Boo, tu vois. Ok. Et Ah, ça peut être intéressant après. Mais c'est-à-dire du coup tu vas te transformer en méchant pendant... Ouais, c'est bizarre. Je trouve ouais, ça pas très mais c'est temporaire quoi. Ouais, mais je trouve ça pas... Ouais, on verra. Là, il faut que je loot un niveau 5, là, histoire de remplacer le C18, là. Même si, en vrai, la capacité passive de C18, elle est incroyable. Là, le rebond sur les murs, c'est tellement pratique. Parce que tu montes tellement lentement en montant normalement. Si, dans l'entraînement, tu le mets la C18, sa capacité, tu la montes niveau 10, tu pourras l'utiliser même si t'as pas C18 équipé. Ah, donc il faudrait que j'aille dans le mode training. D'accord, mais pas dans le mode training, mais dans l'entraînement des capacités, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, avec les essences, oui, comme je vous avais dit. Oui, je vois ça, j'ai compris. Alors après, faut que je vois où c'est, dans quel menu, machin, mais je crois que j'avais vu. Déjà, j'ai augmenté les levels, des compétences de méchants, tu vois. Genre Freezer, j'ai augmenté ses compétences. Mais moi, je suis fermier, t'as vu? De quoi? Oui, j'ai vu, t'as vu. Tu es fermier. Ouais, j'ai vu. J'ai vu que t'avais pris le Fermos. Ah, j'entends un bruit. Oula, le Spopovic, il est pas loin. Spopovic. Tulipalovski. Il est pas loin de moi aussi. Hein. Ah, mais j'ai entendu un mec, mais j'ai pas pu aller l'aider. Ah bah génial. Il se fait déjà feed. Ah, ok. Ah, il est pas loin. Des fois, tu perds du temps à chercher le survivant et tout, c'est relou ça aussi. Par contre, ce qui est bien, oui, c'est que tu peux choper un scooter aussi dans les boîtes, ça c'est bien. Ouais, mais ils sont pas très utiles au final. Mais en fait, le scooter, bah après, c'est normal parce que sinon tu balayerais la zone et tu irais chercher tous les survivants. Mais t'as le battement de cœur qui te dit déjà quand il est pas loin, tu vois, donc le scooter au final. Non, mais pas pour le boss, mais pour le mec, tu vois. Au moins, le mec, tu sais direct où il est, t'as même pas besoin de te poser de questions. C'est pas faux. Parce que là, en fait, je l'entends Peter faire « Tasquette !» Ouais, mais c'est pas parce que tu sais où il est que tu sais où est l'entrée de la grotte. Moi, une fois, j'ai tourné autour d'une pierre, ça m'a fait chier pour le mur. Ça fait pareil que le Dragon Radar, parce que Dragon Radar, c'est très très précis. Tu sais précisément où est le truc, mais pas où est l'entrée. Il est à 2 cm de moi. Je suis en train d'escalader la montagne, il m'a pas vu. Ah, c'est bon, j'ai enfin trouvé. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que les survivants, ils peuvent avoir des Dragon Ball. Du coup, moi, en tant que Freezer, j'ai tué un des survivants, il m'a filé la Dragon Ball. Ah oui, oui. Namek. Un vieux Namek était là genre, merci pour Dragon Ball.
Ah bah tiens, en parlant. Et comme ils quoi, y'a pas de hasard. Juste au-dessus de moi, je les brain. Je suis content. Y'a pas de hasard, gamme. Ni de conspiration, rien. Ici, c'est que des faits. Ah, il a tué des civils déjà, ça c'est sûr. Ah, le mec qui s'appelait le Yamagata, il est mort. Voilà, personne n'a l'air. Ouais, il y en a un deuxième là qui s'est fait défoncer, je crois. Bah, je voulais aller l'aider, mais je t'avoue que j'ai voulu aller l'aider. Mais... Ah, moi j'avais le truc juste au-dessus de ma tronche. Ouais, mais je savais pas s'il campait en fait, j'arrivais pas à voir s'il campait. Non, il campait pas. Ah merde. En plus, moi je suis vraiment un mec qui essaye de heal tout le monde donc. Ouais, je sais. J'ai vu ça. Ah merde, merde. Il est à côté de moi. Ah, il est à côté de moi, c'est fini. Non, je voulais pas le rush. Mais calme. Ah. Ok. Bah, tire-toi vite. J'ai foncé sur l'œuf debout et ça m'a propulsé à l'autre bout de la map. Eh bah, cours. Ah, mais c'est bon. Là, je suis tranquille. Il est pas là, le bout, hein, c'est où? Ah, bah, il veut péter la zone où je suis. C'est quoi la zone d'ailleurs? C'est zone E. Merde. D'ailleurs, c'est un peu con d'essayer de péter une zone alors qu'il y a pas de clé. Bon, c'est pas, je veux pas lui reprocher, moi ça me va. Arigato. Après, je pense que c'est parce qu'il veut pas gâcher la transfo, machin. Mais oui, t'as raison. Bah, il aurait pu attendre que le mec récupère la clé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ah, en vrai, c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai pas non plus. Il faudrait que je l'ai. Parce que le mec perd du temps comme ça, ouais, t'as raison. Y'a Bou qui tourne là. Oui. Ah, bah, Bou, il est vers la personne qui vient de s'envoler. Pour ça, c'est pas toi. Ah, y'a un mec là au sol. Je vais l'aider. Mec, aux deux Dragon Ball, il va se faire péter les fesses par vous. Il va y voler d'autres. D'ailleurs, comment tu fais pour récupérer les Dragon Ball? On me demandait justement. Si le mec. Récupérer les Dragon Ball? Oui, bah, que dans les coffres? Non, mais quand le méchant les récupère. Il faut le taper. Si tu vois, genre le projeter avec un lance-roquette, le taper ouais, c'est avec ce ta transformation. D'accord. Bref, ouais, lui faire une projection. D'accord, mais après, et après, il fallait la récupérer en fonçant dessus, quoi. Exactement. Ou alors que ton allié qui est en bas, il le récup. Ah merde, putain, c'est vrai qu'on peut pas péter les vides de ça, je l'ai gâché mon grappin. Ah, les bâtiments ici, c'est vraiment de la merde. Tu t'es fait knock? Non, pas du tout, c'est juste que... Non, c'est juste que j'ai fait de la merde. Ça va. Tu sais, c'est habituel avec moi. Je passe level 3. Bon, pas du tout. Ah par contre, oh bien, tu peux utiliser nuage magique en étant en l'air, ça c'est pratique aussi. Moi j'ai pas nuage magique. Oui, non mais je sais, mais je le dis pour moi. Mais en vrai... pas content, pas nuage magique. Mais après, nuage magique, il est pas très rapide en vrai, il est moins rapide qu'un véhicule, j'ai l'impression. Ouais, mais tu peux voler avec quoi. Oui, ça par contre c'est hyper pratique aussi. Et en plus, comme les véhicules, tu peux péter les trucs directement. Ça c'est sympa. Par contre, t'es obligé de descendre pour récupérer le moindre objet. Et du coup, comme tu descends, c'est obligatoirement... T'as obligatoirement une recharge après. Il reste 10 minutes. Merci de me prévenir. C'est vrai que d'habitude on fait attention au timer quand on joue le jeu. Bon, le bout il est à 15 km. Par contre, je sais pas si je vais réussir à sauver l'autre. Ouf, il est pas loin. Il est en train de tirer sur toi d'ailleurs. Ah ouais. Bon, désolé, je peux pas. J'ai essayé. Hein. Vas-y, tire-toi. Ouais, je me tire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je fais le lâche. Je suis venu te sauver. Merci à toi, Enzone 57. Bienvenue. Du coup, je suis dans la merde, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, au pire, je l'ai esquivé vraiment. Hein. Je l'ai esquivé, j'ai vraiment dans la D, là. Non, mais vraiment, c'est... si t'as réussi à te survivre, c'est parce que je suis venu te sauver. Hein. Non mais je me doute bien, j'ai vu que t'as bien joué là-dessus. Attends. Mais du coup je bute transfo là, c'est un peu la D. Moi j'ai la transfo, mais je suis niveau 1. Tu viens d'utiliser ta transfo? Ouais mais j'avais une cahier de récupération. Aïe. Ah j'aurais dû te la donner. Coup dur pour moi. Après en vrai, dès que le vaisseau va spawn là, dès qu'on a la zone C, au pire je vais activer la zone C. Hein. J'y vais et... Dès que j'ai activé, il y aura... Ça va être compliqué à gagner, hein, parce qu'il en a quand même de knock pas mal. Hein. Il en a knock que deux? Ah non, mais on est déjà plus que... Ah. Ouais, mais l'autre, je vais le sauver, t'inquiète. Oh, elle va arrêter de dire oh no, elle. Oh no. Ah putain, elle avait des canettes de région.
J'ai une canette. C'est bon, vas-y. Tu peux. Moi, je suis en train de le sauver, hein, le machin là. Ah, mais faut que j'aille à la time machine, je suis super lent. Et j'ai pas ma transfo en plus, donc je sais pas comment je vais gagner du temps. Moi, j'ai ma transfo, mais j'ai pas de. Il faut gagner un petit peu de temps. Bah, je veux bien gagner du temps si tu veux, mais. J'ai pas une transfo, je vais avoir transfo niveau 2 là. Ouais, bah il faut que tu le tapes un peu avec quoi, mais sinon là il va casser la machine, c'est Vegeta, fini. J'ai Vegeta. Là, bah il va casser la machine, c'est fini. Oui, là j'y vais. Allez, c'est bon, je suis en train de le tabasser là, vas-y. Prends un coup de lance-roquette. Allez, vas-y. Occupe-toi de machin là. C'est bon, je peux me transformer, je viens vous aider. Allez, vas-y. Moi, je trouve ça rigolo, ouais. Ah, par contre, je suis dans la merde de ouf. Je vois pas où sont les trucs verts, là. Si tu focus, ça va être difficile. Faut que je trouve... Ah, c'est fini pour moi. J'ai plus de... Moi, ça va. Ça va. Moi, j'ai réussi à me sauver. Je peux le taper avec un Vegeta, au pire, pour gagner du temps. Ah, y'a une capsule. Bon, vas-y, c'est bon. Ah, merde. J'ai voulu le taper avec les gants Vegeta. Oh, quel con. Bon, j'ai pas été mis au sol encore, donc techniquement, ça prend un mort. Ah, les gars, dites-moi que vous allez arriver. Oh, par contre, je suis bien, là. Oh, mec, il m'a jeté dans le vide. Tu penses qu'on peut y arriver? Merci. Y'a plus de canette, fais chier. J'ai plus de canette, je sais pas comment je vais faire. Ah, il a détruit la machine. Là, on fait quoi? On essaie de le tabasser ou pas? Ah, vraiment, ça part sur un enfouissement direct? Ça part sur une défaite à ce point-là? Oh, je suis mort. On m'a tabassé bêtement. Je me suis fait tabasser bêtement. On est, je suis mort. Bon, bah, je suis mort. Dommage. Salut, tu débutes sur le jeu. Salut à toi, Endzone. Oui, un petit peu. Oui. J'ai pas vu que tu viennes sur moi directement pour qu'on s'enfuit, ouais, en fait. J'ai vu ça, mais bizarrement, j'avais pas envie de m'enfuir. Ça me saoule. Ouais, mais on a pas le choix. Il nous reste 1 minute 40. On pouvait pas gagner, en fait. Ah, putain, je suis dégoûté. En fait, j'ai pas pu aller à la capsule, sinon j'aurais pu faire un truc. Mais... Ah, dégoûté. Tu peux venir jouer avec vous, bien sûr, Endzone. Bien sûr, tu peux. Ah là, compliqué cette histoire. Pas de soucis, attends, 2 secondes. Ah bah c'est ton pote. Salut. Salut. Ça va bien? Bah tiens, Enzo, quelle surprise. Salut. Ah, du coup, je te laisse m'ajouter déjà en tant qu'ami sur le jeu. Mon code c'est KK8XX. Le caca. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le code parrainage un peu. Ouais, c'est le code parrainage. Exactement, oui. Ah bah, toujours.
Moi j'ai déjà parrainé 6 personnes donc ça va. Mais... Vas-y, attends, je te jette. Il faut ajouter le code parrainage, tu vois, c'est le code créateur. Ça y est, tu t'as vois. Compris l'intérêt du truc. Exactement. Non mais j'avais déjà compris l'intérêt dès que tu m'as expliqué hier. C'est le code créateur. Code créateur Dragon Ball. Ah, du coup ça fera 3 personnes déjà sur les 6. Du coup si je fais ça, comment tu fais? C'est quoi, c'est caca 8 4K? Caca 8 4K, c'est ça. Non, caca 8. Si je fais ça, comment tu fais, hein? Ah là là, trop ouais mais non, ne pas ajouter des amis de parrainage. Moi je l'ajoute personne. Bah moi je l'ajoute personne. C'est les gens qui m'ajoutent. Attends, remonte. Mais du coup si t'ajoutes ton ami automatiquement vous êtes amis. Quoi, bah, il t'a ajouté, non, moi je l'ai pas ajouté, c'est pas moi qui l'ai ajouté. Bah, quand tu lui as donné le code, tu déjà, j'ai donné avant que tu fasses l'action. J'ai donné avant que tu fasses l'action. Ah, c'est trop tard. En plus, c'est banni en action pendant 5 minutes. Ouais, mais justement, j'attends. T'aurais pu dire ça. T'aurais pu dire, ouais, bah dans 5 minutes. C'est j'arrive bon. Pas, attends, c'est KK 8XX. Ah, 8XX, ok, ouais. Sinon, t'as aimé mon fermier? En fait, le fermier, il a une compétence spéciale, il peut labourer le terrain et trouver un objet. C'est vrai? Ouais. Oh, trop bien. Alors, c'est quoi le code du coup de la partie? 80 33 19 20. 80 33 19 20. 80 33 19 20. 80 33 19 20 19 20 19 20. Ouais, ok. Envie de passer une soirée spéciale? 80 33 19 20. Le numéro iceberg. De tous les bons plans. C'est ça, les icebergs les plus chauds de ta région. Iceberg. Du coup, c'est ta dernière. Je regarde. Bah, après, en vrai, je vais peut-être enchaîner direct sur Temtem, genre sans prendre de pause, moi de mon côté. Donc, ah, dur. Non, mais dans le sens où, genre, je peux encore faire une demi-heure, tu vois, à la limite. De toute façon, au pire, Loki, il est pas pressé, de toute façon. Qui a dit on fait une pause, il a pas dit à quel on reprend précisément. C'est pas faux. En vrai, je pense que je vais reprendre le live sur Temtem à 20h. Donc en vrai, je pense qu'il y a au moins 20 bonnes minutes. Ouais, du coup, pas reprendre, mais changer le jeu. Ouais, c'est ça. Je vais switcher directement. En coupant peut-être le. Je sais pas si c'est mieux de couper le stream ou de pas le couper. Je pense que non. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le couper. Par contre, je ferai une autre VOD, évidemment. En tout cas, ouais, du coup, le jeu est sympa. Et toi, du coup, notre cher Enzo National, que penses-tu de ce fabuleux jeu en tout point moche hein, qui se fait cracher dessus par tout le monde? Ouais, c'est ce que j'entends. Bah, là, avant, on a joué avec Florian, avec personne qui insultait. C'est ce que je lui dis. Oui, mais expliqué avec le streamer qui insultait le jeu. Ouais, ouais. Sur, basiquement, les deux plus gros arguments, c'est le jeu, il est moche. Alors, je trouve qu'il est pas plus moche qu'un Xenoverse. Ah, peut-être un tout petit peu plus, mais c'est vraiment ça se joue pas grand chose. Le jeu fait 8 gigas quoi, il est accessible c'est à tout le monde, mais faut pas le jeu oublier fait de 8 le dire. Gigas, il est à 20 balles, surtout que tu peux l'avoir à littéralement 11 euros sur Google CD ou des trucs comme ça. Franchement, je trouve les mecs supérieurs. Je suis sûr que le mec en plus, je suis sûr que le streamer qui se plaint que le jeu il soit moche et que c'est le jeu du diable, je suis sûr que le mec lui-même il l'a acheté sur Google CD, tu vois. Genre le mec il a littéralement payé 11 euros juste parce que. Et le jeu, tu sais, genre à 11 euros, pfff, dégueulasse, pire jeu de la Terre. Pire jeu de la Terre ou des jeux comme Anthem, des jeux comme... attends, qu'est-ce qui est vraiment horrible avec les gachas des jeux comme Marvel Avenger existent, tu vois. Alors que Marvel Avenger, il est vraiment moche. Et lui, par contre, il a 60 balles, tu vois. Non, mais c'est pas parce qu'il ressemble trop à Dead by Daylight. Non, mais parce que faut absolument toi, le comparer. Après, c'est drôle, tu vois. Moi-même, je le mets dans la miniature, je le mets dans le titre. C'est rigolo de dire, ouais, c'est le DBD Dragon Ball, tu vois. Ouais. Mais à un moment, faut chiller, les gars. Non, moi, j'aime bien le genre. En vrai, moi aussi. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas un jeu révolutionnaire, mais c'est un petit jeu de chevet pas cher, assez intéressant. J'ai chopé le bazooka! Radar à civil. J'entends un gamin. Est-ce que le tueur veut venir le tuer? Je peux lui donner l'emplacement s'il veut. Ou alors je peux le fumer au bazooka. Allez, le petit bébé Namek, vas-y. Donne-moi des récompenses. S'il m'offre une Dragon Ball, je me mets bien. Même pas. Ah si! Il m'a vraiment donné une Dragon Ball. Ok. La Dragon Ball à 5 étoiles. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Même si j'ai pas chopé de clé. On en a déjà deux d'activés.
Je suis en position D, je peux l'activer la E. Je suis juste à côté de la E. J'utilise pas ces objets, je m'en rends compte en vrai. Genre trampoline, tout ça, je devrais les utiliser tout le temps, tu vois. Laurent, qu'est-ce que tu fais en fermier? Bah écoute, il y a une compétence incroyable. Ah ouais, non, moi, je suis monsieur le fermier. Ah, vas-y, fais chier. Oh, je lui ai mis un vent de l'espace à ce connard. Ah par contre il m'a déboîtax. Ah le freezer il est violent. Allez c'est bon il me sent plus, il me sent plus. Mais le freezer ouais il est... Ah non il m'a vu bah évidemment. Mais voilà tu me... Vas-y il m'a instant kill. Mais il m'a instant kill quoi. Ah vas-y je pensais que j'allais le bait le freezer. Ah ouais, il suffit qu'il envoie un zabon et il me voit en fait s'il est pas loin. Là il a envoyé un dodo rien. Je suis pas très intelligent là pour ce que je viens de faire. Ah ouais. Ah t'es mort ouais. Oh merci monsieur le fermier. C'est très agréable. Vos massages sont relaxants. Oh, il détruit la zone où je suis. Ah pas grave, tu vas te TP autre part. C'est même mieux pour nous techniquement. Bah en soi c'est parce que... Bon après je sais pas si les objets se TP aussi ceux que j'avais. Je crois aussi. Ah ils vont se TP ah, ouais, bon. Non parce qu'il y avait une Dragon Ball ouais donc elle est sur moi encore. Ah oui ils vont pas disparaître sur la Dragon Ball. Oui bah ça c'est sûr. Ah vas-y mais... Fallait que tu me fasses double kill instant quoi mais vas-y. Ah je suis trop con, pourquoi j'ai pas utilisé trampoline? Vas-y je suis instant mort. Avec toi avec ta Dragon Ball dans le bide là. Tu sais ça fait des aigreurs d'estomac hein. Pas très digeste hein Dragon Ball. Ah je pense. Eh hey, t'imagines le mec qui met en action à bannir en jeu. Pas le droit d'utiliser le grappin ou la ruée. ouais ce serait dur ça. La ruée ça met mal tu vois, ou pire la transfo tu sais, pas le droit d'utiliser la transfo, c'est à dire que même en automatique tu dois éviter. J'ai mis des claques à Freezer, je voulais te sauver mais je suis arrivé trop tard. Bah tant pis, t'as non mais j'étais un peu il m'a tué deux fois. Je sais mais justement je voulais l'empêcher de te finir. Ah tant pis. De toute façon il campait parce que il est revenu direct. Vers là où je suis, mais... On va encore devoir se barrer là. Ah, il évolue très vite le freezer. Hein. Après là, il reste juste la clé C à trouver. Hein. La clé C, ouais. Après, techniquement, s'il veut gagner du temps, est-ce qu'il peut pas genre péter une zone où vous avez jamais la clé? Vraiment, ça peut. Oui, mais ça lui fait ça, ça marche pas. Ouais, mais à partir du moment où elle est plantée, même s'il la pète. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est juste genre, il veut pas péter la C pour pas que vous. Vous avez déjà le mode réparer oui, le machin. Oui, mais de toute façon, là, il a déjà pété une zone, il peut pas en repéter une tant que c'est pas retransformé. Mais là, il va se retransformer. Mais non, mais. Ah, vas-y, bah, t'as eu le même truc que moi, t'as eu exactement le même truc que moi. T'as fait la même. Bon, bah, t'es mort, Enzo. Ouais, bah là, ouais. Ah, il t'a fait une crie, là. Et là, t'as fait. Coucou. En vrai. Bon, bah, magnifique, l'artifice. En vrai, c'est faisable. Bah c'est compliqué, je viens de passer rang 3, le raider il est rang 3. En plus il a sûrement des Dragon Ball. Bah vous êtes 3 personnes rang 3. Ouais ça se fait hein. Ah c'est vrai qu'on peut le tabasser là, on est 4 rang 3. Mais évidemment tu vas jamais réussir à convaincre tout le monde d'aller le tabasser. Ah c'était cool. Ah bah juste au-dessus de toi. Je sais. C'est pour ça que je me cache, j'attends que les autres ils y aillent pour qu'on aille tous le tabasser en même temps. Caca. J'ai de l'écran et d'aller les taper. Ah ça c'est con, détruire une zone pendant qu'il y a la time machine. Bah du coup là tu peux aller la charger quoi. Ouais voilà. Bah c'est en train de... Non je prends mon grappin. Alors d'abord t'es en train de bêcher le sol là actuellement. Ouais j'essaie de trouver un objet. Y'a un mec qui est en train de l'attaquer alors qu'il est en train d'activer la time machine. Enfin, en train d'activer.
Allez, voilà, là, c'est bon, tu peux le défoncer. Ouais, allez, pétez-lui la gueule là. Vous allez y arriver. Oh là, il est fort le Florian. Quand il. Oh là là, Genki de Genki. Alors tu viseras mieux la prochaine fois s'il te plaît. Pas touché. Par contre, tu viseras un peu mieux la prochaine fois s'il te plaît. Ouais, mais c'est dur Genki Dama, hein, parce qu'il faut attendre qu'il charge. J'ai réussi à lui en placer 2-3 dans la gueule hein, à un moment, hein, Genki, moi, quand j'étais dans Ouais, mais ça, c'est un super Genki, c'est pas un Genki normal. J'en retiens. Ouais. Ouais, mais tu as fait très long aussi. Hein. Bah, justement, s'il me tape pendant que je le charge, ça l'annule. Ah merde, d'accord. Ouais, compliqué à utiliser quoi. Allez, vas-y, tu vas te remettre niveau 3, là, tu vas le tabasser là. Là. Tu vas le flex là. Oh là là, mais what? Attends, mais genre l'autre il est de. Attends, t'as réussi à le tabasser, mais comment t'as fait pour le tabasser? Justement, tu as tabassé pour le faire mon Kaioken et je l'ai chargé lui. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ok. J'avais pas compris, ok, d'accord, c'est bon, genre. Allez, les gars, vous pouvez le tuer là. Tu penses que c'est faisable de le tuer là? Ou pas? Oui, ça se fait en vrai. Parce que là, vous êtes tous niveau 3. Oh là là. Vas-y, pète-lui la gueule. Ah, prends un coup de lance-roquette. Le mec il s'enfuit là comme un lâche. Attends là-bas, y'a un truc vert là. Là y'a un truc vert à droite. Ah, mais je sais pas si ça a déjà été looté, mais. Faut que je gagne un peu de temps. Oui, il a déjà tout été looté. Désolé, désolé, je t'ai mal indiqué du coup. Moi, ce qui m'a vénère, c'est que hier j'ai perdu à 99%. Ça, ça m'a tellement saoulé. Genre, même pas comme ça, hein. Genre, la barre elle est touchée, hein, la barre jaune. Y'a un mec qui lui manque une Dragon Ball et il est à l'ESF. Non, mais je pense que c'est Freezer qui est la dernière. Oh là là, Kitos, c'est bon, vous avez gagné? Attends, est-ce que vous allez gagner la victoire à tabassage? De toute façon, là, même au pire, il détruit la machine, au pire, vous le pétez quoi. Au pire, même s'il pétait la machine. C'est mieux de gagner en le tuant ou de le gagner bah, en. Je trouve ça plus beau de le tuer. Après, on peut gagner comme ça aussi. Oui, mais. Yeah, on a gagné bien grâce à moi. Comme ça. Oh, toute la vie que je lui ai enlevé! Non, mais le Genki Dama lui a viré presque deux barres! Oh là là, incroyable! T'as été Krakitos là! Et je suis pas avec vous! Je suis pas avec vous! Désolé! Non, mais c'est moi, j'ai fait de la merde! J'ai obtenu que 1000 points Z-coin quoi! Ah ouais, quand t'es survivant mais t'es mort! Moi, distance vraiment... parcourue, je suis moyen, survivant moyen, mais sinon tout le reste, je suis platine! Oh là là! Moi, j'ai tout bronze! Ça c'est fait ça. Moi aussi tu vois. On a le temps d'en faire une dernière ou pas? Ouais bien sûr. Enfin après je vais continuer avec Enzo mais... La fameuse DRDDR tu vois. Ouais la DRDDR même si en vrai on pourrait s'arrêter sur une victoire. Mais grâce à Enzo déjà, j'ai obtenu un petit supplément bonus. N'oubliez pas le code créateur KK8XX. Le caca. Au moins c'est bien, ça fait rire Enzo. Et si ça fait rire Enzo, ça peut faire rire tout le monde, les amis. Combien j'ai de tickets, attends. Nom 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 nom. Ah, je peux pas tant que je suis en phase de combat. Moi, tant pis. On verra après. De toute façon, je crois pas que j'ai encore les 10. Oh, je suis encore loin d'avoir les 10. Et du coup, ça sert à quoi les tickets de saison 1? Pareil, à faire un invoke. D'accord, c'est juste un autre... Ok. Y'a pas plus de drop, plus de chance. En fait, c'est non. Comme un ticket siphon normal en fait. Ouais, voilà. Mais juste obtiens c'est ça juste en... C'est juste que c'est le ticket que t'as obtenu pendant la saison 1 et voilà, à mon avis, tu peux l'utiliser que jusqu'à la fin de la saison 1. De toute façon, il va partir très très vite, t'inquiète pas. Ouais, peut-être qu'il y aura d'autres invokes spéciales où tu pourras utiliser que des tickets dorés, tu vois. Peut-être. On verra, on verra. Mais de toute façon, le jeu va pousser sa bâtardise plus loin plus tard. Là au début c'est un peu tranquille, c'est un peu sympa, c'est vas-y tu récupères des trucs. Et après ça va arriver. Ah là ça va être sympa là. Qu'est-ce que tu vas jouer? Bah écoute, à ton avis. Cell? Freezer?
Non, Freezer, évidemment. Je suis pas assez bon dans les autres. Tu peux faire Boo aussi, aveugle. Hein. Non, Boo avec, je suis aveugle, vraiment. Avec Cell, au moins, t'es pas aveugle, man. Ouais, mais je pense que je vais jouer d'abord le perso que je connais un peu. Je jouerai Cell, je pense, la prochaine fois, en vrai. Du coup, je vais me mettre en sourdine. T'es pas obligé, on s'en fout, nous. Bon, bah écoute, si vous vous en foutez, au pire. Vas-y. S'il y en a un qui parle, tant pis pour lui. Non mais en vrai, Freezer c'est satisfaisant, je trouve, en plus, à jouer. Where is the Dragon Ball? Ah là là. Non mais toi t'as pas la V anglaise. Non. La V anglaise. Genre quand il tue un Namek qui dit You have my thanks. Ouais mais c'est pareil, ouais, quand il donne Dragon Ball et tout, il fait un truc genre thanks de Dragon Ball. En tout cas moi en japonais il le remerciait pour la Dragon Ball et après il l'a tué. Littéralement le vieux. Tu vas les tuer des enfants Namek. Ah j'en ai rien à foutre moi, je les graille les enfants Namek. Tiens, voilà. Ouh. Le mec, le fermier qui détient du ki, c'est. Ouh. Le fermier qui a du ki, ça a aucun sens. Le ki fermier. Le ferme ki. Bientôt le fermier va faire la danse. Non, comment ça s'appelle? Quand tu voles, je sais plus ça s'appelle comment. La danse de l'air. Ouais. Ou un truc du genre. Oh! Où t'es? Où t'es? Comment ça, où je suis? Pas toi, mais. Oui. Ah, le. Oh, Dragon Ball. Mais je les entends tous, ils sont ultra prêts! Ah, t'as vu, c'est chiant hein, quand tu cherches. Allez hop. En plus, j'entendais un gamin là et il. Nina no Kuni! What is this place? Ah, c'est horrible parce que je l'ai entendu et tout. Yeah, tu vois, quand tu bêches le terrain, tu peux avoir des cubes de transformation aussi. Bon, lui, c'est gratos. Est-ce qu'il y en a un autre pas loin? Mais le gamin, il est où, putain? Salut, Florent. Salut, mec. Du coup, j'ai bien montré en connu, je l'ai remplacé par la bêche. De quoi? Je sais même pas comment vous avez fait pour avoir d'autres compétences. Moi, bah, en fait, il faut aller dans le menu. Non, échappe quand t'es sur le menu de base. Non, mais genre, moi j'ai que les compétences de base. Mais c'est quand t'invoques. Ah, ok. T'obtiens les compétences des personnages que t'as équipés comme Kaioken. Ah, bah tiens, le gamin il est là! Merci! Oh là là, le. Oh là là, je suis en train de me régaler! Allez, vas-y, hein, régale-toi. Tu t'es vite transformé, empêche. Ah, mais quand je t'ai dit, je me suis régalé là, le 3 en même temps. Ah, ouais, d'accord. T'as mangé de la purée d'épinards. Ah, non, fuck. Ah, t'as essayé de la mettre? Non, non. Oh non, vas-y, mais Nick! Ah, let's go. Ah, dég. Mais c'est pas grave, je suis où vous êtes du coup. T'as vu le guerrier Kaioken? Enfin, le fermier Kaioken? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y en a un là qui va me faire servir à Grail là. J'ai bien faim là, mon gars. C'est pas moi, je prends ma capsule. Bye. Il est où? Ah, je suis tellement aveugle, man! Eh, crève! Crève, toi! Ah, seul, c'est toi que tu t'es fait choper, Nino? Non, non. Non, ça va. Je suis taille. T'as fait comme Tao? C'est taille, taille? Ou paille, paille? C'est je moi. Sais, je sais. C'est le fermier. Allez hop. Allez hop. Merci pour la Dragon Ball, deuxième, pourquoi pas? Ah non, j'ai plus qu'une seule. Ah, je suis rentré un coup et du coup, j'ai perdu la Dragon Ball. Moi j'ai mis ma capsule, je me suis cassé direct. Oh, t'as mis un mec qui s'appelle Devil Endo. Ah ouais? Je peux jouer. Ouais. Je regarde. Bah là, on joue, regarde. À côté de Botan-chan, là. Ah ouais, ça se trouve que c'est Devil, hein? Non, ça m'étonnerait. J'ai l'air d'un stream. Ah, je presse niveau 2, là. Ah, oh, du Namek. J'ai trouvé de la purée de Namek. Miam miam miam. Ni maman ni. Vraiment, j'entends. J'ai un de spawn quelque part. Ça a lâché un sauve-moi. Enzo, tire-toi, c'est chez moi ici, c'est moi qui loot. Attends, y'en a un, il est venu ici là.
Y'en a un, il était pas loin. Y'en a un, il se foutrait pas un peu de ma gueule. C'est pas possible. Ouais, y'a moyen. Y'a moyen. Quel connard. Salut Florent. Oui mec, c'est ma zone. Mm-hmm. Mais j'ai quand même besoin d'augmenter. Ouais, moi aussi. Ah, on est deux. Ouais, moi je suis rang 2. J'ai besoin de passer à rang 3. Ouais, pour péter un mec. Oh, d'accord, non, mais une musique de combat, c'est qu'un mec pas loin de moi, non? Ouais, ouais. Ouais, let's go, des cubes. De la puissance. Quelle extase. Ah bah tiens, te voilà, toi. Ah, c'est con, hein. C'est con, la vie. Mais c'est nous, ça sert à rien, ouais. Putain, je vais bêcher le sol, là. Oh putain, il m'a donné de l'argent. Je m'en fous de l'argent. Fais gaffe parce que t'es que rang 2, hein. Ouais, t'inquiète pas. Florent, viens sur moi, tu me vois. Il y a deux gros trucs, tu pourrais te mettre full. Oh. Il y a même trois gros trucs, tiens. Oh. Là, regarde. Miam miam, mais ils m'ont manqué qu'un. T'as le Taioken, ça marche bien. Ah. Bah, je crois qu'on va devoir faire quelque chose. Pourquoi là. Non, pas sûr. Pas sûr. Ah, quoique, il y a un mec qui se fait péter, ouais. Ouais, mais faut planter les deux clés, moi j'ai envie de garder pour la télé machine. Ok, on se taille. On se taille. Ouais, on se taille, on se taille. Moi je garde ma puissance pour la time machine, comme ça je t'offrirai un fight. Oh, tu m'as raté! Oh, foiré, va! Ils sont où les autres clés, plan? Bah, elles sont déjà prises, il faut juste les planter. Mais faut que j'ai mis mais attends, mais allez vous faire foutre! Ah, mais ils se font tabasser. Non, non, mais par contre, s'ils viennent te tabasser maintenant, c'est chiant. Ah, plus que qu'on va être obligé d'aller les aider. Ah ouais? On l'aide? Ok. Allez hop! Coucou! Coucou les gars! Salut! C'est fait que je partais le coup de la map. Spirit Bomb! Boom! Allez hop, je peux rater des plus, Enzo, je viens de claquer une spade, j'ai plus d'énergie. T'inquiète, t'inquiète. J'ai plus de jus. Je vais lui mettre une grosse claque. Dernière attaque. Vas-y, fuis, fuis. Aïe. Faut que tu fuis avant que ta transaction soit terminée. Hein. Oh, Dragon Radar. C'est bon, je crois que je me suis taillé assez loin pour non, pas non, qu'il non, me... Non, 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 il a tout pris, non. J'en ai besoin. Et hop. Ok, bah le mec me donne des Dragon Ball. Sympa. Le mec il me vole. Il me vole mes canettes et il me donne des Dragon Alors, Ball. Alors ce grec, bah pour l'instant, toujours pas commandé, pas je crois. Bon. Toujours pas commandé, je crois. Alors vous m'en voudrez pas les gars. Ah putain. Bon, ça va hein. Ouais, moi aussi, quatrième forme. Si c'est ah, si active la D ou d'un moment je pète un câble. Non ça. Non ça m'étonnerait. Oh, allez. Il faut de l'énergie là. Ça va Enzo, tu vas bien? Ça va, genre faut juste que j'attends que ça se gêne le truc et c'est bon. En gros il a plus beaucoup de vie hein, je lui mets un Genki Dama, on le tabasse vite fait. Moi je vais, ouais bah faut juste attendre que je sois au niveau. Et là il vient de dire pourquoi tu l'as dit T'inquiète. Ouais mais tranquille. Tranquille, tranquille. Bon le Genki Dama, je l'ai chargé pendant que t'étais en train de te transformer, du coup dès que t'es sorti je te l'ai envoyé dans la bouche. Dommage qu'on avait pas laissé Dragon Ball d'ailleurs. Ouais. T'as pas bien donné les gars. Non, j'ai envie de gagner perso. Ah, oh, faites pas d'efforts. On y va. Du coup, tu peux me donner les tiennes? Non, j'ai pas très envie. Bah, tu veux pas d'efforts non plus. Ah, il y en a un qui est pas loin. Ouais, ouais, il était pas loin. Ah, mais y a plus de machine à boire. J'ai besoin d'énergie. Comme c'est que personne a planté eux. Ah. Ah si c'est bon. Ah non, c'est pas la bonne ça.
Non, non, mais le mec il va se barrer, c'est sûr. Et s'il se fait détruire la time machine, on a perdu, putain. Ah, le random il risque de ruiner. Non! Non, Ezio! J'arrive. Allez hop. Non, mais c'est pas moi qui me fais tabasser, Enzo. Bon, bon, je vais quand même l'aider. Allez! Ouais, mais là il est stage 4, là, ça va être dur. Hein. On peut tenter, okay. Hein, mais. Tranquille, je vais y aller. Alors ça. Comme c'est que personne a planté eux depuis tout à l'heure. Ça, c'est bâtard ce que je fais, non? Un peu. De quoi? Ouais, c'est ça, c'est bâtard. C'est compliqué, les gars. Là, je t'avoue, ouais. Spirit Bomb! Ouh! Mais enfoiré! Mais il a vraiment réussi à me la larguer! Il est où en plus, ce connard? Shit. Ils sont où ces enfoirés? Non, mais on aurait pu gagner! Oh non! Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait avec la time machine? Il est con! Non, on me dit pas qu'il l'a pris. Bah, on peut pas la prendre de toute façon, donc. Ah, oui. Moi, j'ai trop le seum. Mais non, mais tu prends une capsule de soutien et puis on. Ouais, mais y'a plus de capsule de soutien. Si, si, y'en a une. Tu l'as où? Là, là. Il me faut. Ça. Yatra! Non, pourquoi il a fait le Genkidama, le con? On y va, go. Il est où? Viens me taper! Okay, Frieza! Et si Frieza? Mais non, il fait le salaud, non! Ah bah en vrai, pourquoi pas, hein? la bataille de Genki! Non, elle t'est passée au travers, j'ai ah trop de seum! Ah mais toi aussi! Oh là là! Je bêche! Laisse mon collègue! Finis-le, vite! Tape-le! Non! J'aurai pas le temps, je vais mourir. T'as pas un Senzu? Non mais pourquoi l'autre il a fait de la D? L'autre il a juste à venir te terminer, on a gagné. Vas-y Enzo, va le finir. Il y en a plus. Ah merde, mais tu peux transformer là. T'as les éclairs? Bah si, non. Non, je t'assure, je passe. Je le vois, je suis à 50. Ah mais il reste 41 secondes, bah casse-toi. Hein. Bah ouais. Ça, c'est dommage. Ah, j'arriverai pas en plus. Ah, j'ai failli te buter, n'empêche. Ah, je te vois. Non. Si, je te vois. Non. Attends, y'avait temps mort. Attends, pas le temps. Y'a pas de temps mort, c'est fini, mon gars. Y'avait temps mort. Non, mais rêve pas deux secondes. Le mec, il a vraiment cru. Mais non, j'ai trop le seum. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ouais, franchement, ouais. Mais hey, deux mecs qui ont quand même bien besogné le jeu, je trouve qu'on s'est pas trop mal senti. L'équipe, elle a fait un peu de la D. Après, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir en phase de combat, on va dire. C'est vrai que je prends trop l'aggro alors que vous êtes trop nombreux alors que je suis niveau 2. Mais en vrai. Ah, par contre, le début là, avec les 4 Namek que j'ai graille, genre à la paille. Ah, j'étais bien, j'étais très bien. Je les ai mangés comme le grec là que je vais manger. Aïe. En plus, j'ai eu tout full platine. J'ai tout platiné. Ah, c'est dommage. Le problème, c'est que le mec avec les Dragon Ball, il aurait dû me les donner. On aurait gagné. Ouais, clairement. Parce que t'aurais été niveau 4, tu m'aurais déboîtaxe. À un moment, tu sais, genre, j'ai vu la time machine et j'ai vu que tous deux, vous étiez vachement vénères. Je me suis un peu éloigné. J'ai un peu fait la... j'ai un peu fait le fuyard. Je me suis un peu éloigné parce que je me suis dit, bon, quitte à ce qu'ils aient à 3, au moins qu'ils crament un peu leur time. Ouais, c'était bien joué.
Ouais, bon, j'ai pas fait non plus honteusement le bâtard. Hein. J'ai fait ça genre 2 secondes, après je suis venu vous taper. Après, t'as mangé 3 Genki Dama, quoi. Ouais. Mais je vous ai quand même mis la grosse tape non, sur là, la tronche. Hein. Là, tu nous as bien. Oh, quand t'étais au level 4, oh, t'as mangé un Genki Dama. Ouais, mais tu veux passer au travers aussi, y en a un. Mais si t'avais touché celui-là, t'étais mort. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais je m'en suis pris un totalement pas edgy pendant que je suis en train de cramer la position E. Mec, il a attendu que je crame la position E, il m'a lancé son Genki, cet enfoiré. Tu l'as bien timé en vrai. T'as bien timé. Putain, ça me fait chier de m'arrêter maintenant. Parce qu'en plus, il y a un peu plus de spectateurs. Mais bon, on va s'arrêter là, je pense. Ah, c'était vraiment cool par contre. Ah, en plus, ça va finir sur une victoire comme ça. Bon, pour moi, hein. Non, franchement, content. Même si j'ai perdu, je m'en fous, j'ai bien joué, tu vois. Bah, moi aussi, je trouve. Gagné, oui, toi, t'as pas mal joué. Voilà. Après, oui, c'est vrai que votre team, elle était pas. Et là, ils ont fait des trucs bizarres, mais après, moi, je connais pas assez le jeu. Putain, je suis à 7 tickets d'or là, presque. Bah, en fait, on était 3. J'ai pas compris pourquoi le mec qui était le 3ème, il campait l'escape machine et il voulait se battre. Les gars, ajoutez-moi un ami là, KK8XX. Les gars, là, il me manque 3 tickets d'or et je fais une ouverture de 10. Par contre, farmer les Z-Coins, c'est vraiment un enfer. Les 150 000 Z-Coins, faut vraiment les vouloir, quoi. Quoique, en vrai, en 2 jours, je suis à moitié de l'objectif. Donc, en vrai, c'est faisable, sans trop abuser. Après, ça fait 2 jours que j'enchaîne 6 heures de suite. Enfin, ah non, attends, là, ça fait 2 heures. En gros, il m'a fallu 8 heures pour farmer 80 000 Z-Coins. En tout, à peu près. Allez, on va dire même 9 heures, peut-être, pour être max. Non, franchement... Mais en tout cas, bonne surprise, encore une fois, le Dragon Ball The Breakers. On va s'arrêter là, du coup. Merci à Florian et à Enzo. Merci d'avoir été là pour que je puisse vous péter la gueule. Ça, c'est très, très héroïque de votre part. Non, j'ai passé un bon moment, en tout cas. Je vous remercie. Du coup, vous revenez quand vous voulez, évidemment. Moi, je vais arrêter. Et après, on va passer sur Temtem. On va couper la VOD là, maintenant. Vous voulez dire un petit dernier mot? Pomme de terre. Qui dit mieux, Enzo? Lave glace. De quoi? Lave glace. D'accord. Bon bah écoute, on va appeler Frédéric de Carglass et il va te changer de lave glace gratuitement avec ta vitre. Pomme de terre de lave glace. Ok. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, à ciao tout le monde, à la prochaine pour le prochain live et à tout à l'heure pour ceux qui restent.